Berta. Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Oh, Benjamin Pavard. This is Sparta. T'arrives à un boulot pour moi. Ok, alors on appelle mon boulot. Ok. Non, en italien. Alhamdulillah. Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé là. Je vais te faire exploser ta Peugeot. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ce soir, c'est la qualification pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, même avec un arbitrage de là-haut, on s'est qualifié. Frères algériens, demain, il y a le Maroc qui joue, on est tous derrière eux. Ah, bien sûr, demain, c'est le Maroc. Tunisie, Algérie, on est qualifié. Hamdoulilah. Voilà. Comme ça. Voilà, on vous l'a mis. Ça va, les gens, vous allez bien? Ouais. Ouais, c'est un gros enfoiré. Bah oui, je vous ai dit, je vous le dis depuis le début. Vous voulez pas... Voilà, bon. Ah, en tout cas, on est content. Règle la caméra, on voit ton pilon. Je m'en bats les glins. Là, mon pilon, c'est la merde. Le canal de Suez, il est fermé. Ça va être la famine dans le monde. C'est la guerre, c'est jeudi de la poisse. Moi, je vous le dis, vous mesurez pas la catastrophe qui est en train de se faire. Oh, vous vous rendez compte? Il a la taille de la tour Eiffel, il s'est mis de travers. Va l'enlever. Et stratégiquement, il s'est... L'Iran... Oulala, putain. Oula, attention. Je vous le dis, hein, tout va changer. Hein. Ah, moi, wallah, hein, le commerce mondial, chlette ou gilette, je vous le dis. Bon. Ouais. Exactement. Bien sûr. Alors, la baraude, elle aura lieu, confinement ou pas, on s'en bat les couilles, nous. Voilà, khlas, on bat les couilles. Alors, attends, tiens, je voulais appeler un frère, là, très important. Il vit, ouais. Alors, il est où, ce frérot, là? Il est où? Ah. Mais, Larry Hoover, t'as vu les gens? Ils savent pas ce que c'est le canal de Suez. Historiquement, le canal de Suez, il était britannique. Et Nasser, en 56, il est venu, il a tout niqué. Il savait que pour éliminer les Britanniques, fallait prendre le canal de Suez. Le canal de Suez, je vous rappelle, c'est un canal qui relie l'Afrique au reste du monde sans passer par la Corne. Eh ben, africaine et tout en bas. Et dans l'histoire mondiale... Tous les canaux stratégiques, je pense à Suez, canal du Panama aussi, il y a toujours eu des guerres là-bas à cause de ça, à cause de ce canal-là. Et ouais, c'est très important. T'imagines, tu veux aller au Maroc dans le sud en bateau et le détroit de Gibraltar, il est fermé. T'es obligé de faire le tour de l'Afrique. C'est stratégique. Attention. Ouais. Et puis, voilà, stratégiquement, ils vont prendre la route du Nord et les Russes, ils vont tout prendre. Comme d'hab, les mecs. Ouais. S'ils meurent, ils meurent. Voilà. Vous allez voir la merde que ça va être. Vous allez voir. Ouais, il a pas de dents. Vous allez voir. Mais vous, ça vous impacte pas tant que vous avez du réseau. Ben attendez, l'effet boule de neige.
Et c'est là où il faudra surveiller la bourse. Oui, dimanche. Oui. Empire Trading. Voilà. Tu as des nouvelles? Alors, canal de Suez, il n'y aura plus de canal de Suez et il n'y aura plus de canal plus avec Menez. Allô, salam alaikum, frérot. Alaikum salam, Bassem. Frère Kardesh, est-ce que je te dérange? Non, pas du tout, frère. Rapproche-toi du téléphone, mets pas le haut-parleur, s'il te plaît. J'ai mis les écouteurs. Voilà, parce que c'est important. Ouais, je suis au travail, frère, je suis sur la route. Ah, si bon, jamais, bon. Si jamais ça coupe, excuse-moi, tu vois, c'est... Ok, on va faire avec. Alors, je lis ton message. Salam alaikum, je suis un Turc de Strasbourg. Mon frère est responsable administratif de cette mosquée. La mosquée de la discorde, Starfallah al-Azim, comme ils l'ont dit dans le... Je peux t'éclaircir sur le sujet. Donc attends, juste avant de répondre, on va expliquer brièvement ce qui se passe. Bon, il y a une construction, il y a une mosquée en construction où il y a l'argent de l'État qui est venu, ça a créé des blablabla, mais bon, on sait que en Alsace et en Lorraine, ça ils ont un régime très particulier depuis 1801 sous Napoléon où l'État en gros a le droit d'investir ou doit même investir. Doit même investir dans l'église. Donc, qui dit l'église, dit les religions. Tu peux nous en dire plus, frérot ? Exactement. En fait, si je ne me trompe pas, il y a une loi aussi qui est passée en Alsace en 1999. Et comme quoi, la mairie, ils peuvent aider. C'est bien la mairie, hein, parce qu'il n'y a aucun rapport avec la préfecture. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un communiqué aussi du préfet. Et ils racontent que de la merde, en fait, tu vois. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire, c'est la mairie. C'est la mairie qui nous a donné l'autorisation pour la construction de cette mosquée. C'est l'ancien maire Roland Ries qui a été maire, je crois, 10 ans à peu près, à Strasbourg. Un brave homme, tu vois, un bon maire. Et lui, c'est lui qui a donné l'autorisation de la construction. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'était en 99, comme quoi il y a eu un... pas une autorisation, mais comme quoi ils aident les lieux de culte. Parce qu'avant, il y a eu l'église orthodoxe qui a été construite à l'Orangerie. Ça s'appelle l'Orangerie, c'est un quartier de Bourg chez nous. Et la mairie, ils ont aidé cette église. Ouais, ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, en Alsace-Lorraine, sous Napoléon, il y a eu le Concordia ou un truc comme ça, où l'État devait aider les lieux de culte. Bon, exactement. Ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai fait cette vidéo ce matin en parlant de ça, moi, ce que je veux te dire, c'est que pour moi, et je reste sur mes positions, on ne doit pas mélanger l'État et les lieux de culte, pour plusieurs raisons. Qui dit subvention de l'État, dit suivi de l'État. Qui dit suivi de l'État, dit républicaniser ses lieux de culte. Il ne faut pas tout mélanger. La communauté turque, moi à Lyon, ils l'ont montré, ils le montrent à plusieurs reprises, qu'ils ont besoin de personnes. À Vénissieux, ils ont construit une mosquée sur fond privé. Tu vois la mosquée, limite, il y a des tapis de Aladdin qui sont en train de voler quoi, autour. Elle est magnifique. Hein. C'est la mosquée. Ayoub Sultan. C'est Ayoub Sultan. Ayoub Sultan. C'est aussi le Ayoub Sultan. Voilà. C'est pareil, c'est le même nom. C'est l'association Miligurich, c'est ça? Je connais pas, ça je sais pas. Bon, en tout cas. C'est IMG, normalement, sur les panneaux, à l'entrée de la mosquée, on a les panneaux, c'est écrit. Hein. On a même, dis-toi, Bassem, à Strasbourg, on a même des. Tu vois, les panneaux de direction, on a des panneaux qui. Tu vois, genre, la direction mosquée, on a des panneaux, il y a écrit mosquée. Tu vois, les panneaux de direction, panneaux sur la route, là, tu vois. Mais après, ok, moi je comprends ce que tu veux dire. Mais on a une autorisation de une. Et ils ont déjà mis cette mosquée-là, après être construite, ils l'ont déjà mis dans les monuments
de tourisme de Strasbourg, tu vois. Et c'est venu à ce point-là, tu vois ce que je veux dire. Apparemment, ça va être la plus grosse mosquée d'Europe. D'Europe. Apparemment. Exactement. Ouais. En fait, c'est une mosquée qui a déjà été construite aux États-Unis et la deuxième identique, elle sera à Strasbourg. C'est les mêmes architectes. D'accord. Ok. Bon, bah écoute. C'est exactement c'est les architectes qui ont travaillé aux États-Unis, c'est les mêmes architectes qui travaillent aussi sur Strasbourg. Il y en a deux. Il y en aura deux au monde, identiques, aux États-Unis et à Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Allah l'Azim, frérot, je parle de cette mosquée-là, mais je parle aussi de plein de mosquées et tout. Moi, l'islam que j'ai connu à l'époque, putain, fallait voir les mosquées, c'était des caves. Et wallahi, je n'abuse pas, c'était des caves. J'allais en venir là, Bassem. Maintenant, moi, je vais dire ce qui me gêne. Moi, je vais dire. Non, mais frérot, moi, je vais dire ce qui me gêne. On va être intelligents, toi et moi, et je vais dire ce qui me gêne. Et wallah, je parle pas de la mosquée, je parle pas des mosquées. Mettons-nous, même si on leur doit rien, c'est plutôt eux qui nous doivent, entre guillemets. Mettons-nous à la place d'un blanc. D'un blanc de Joséphine, ange gardien. Donc il est là, il voit une mosquée, il voit un truc, un mastodonte immense, avec tout ce qui représente l'islam, il va trouver ça agressif. Moi, je l'ai connu comment ? En 2010, quand je travaillais chez Renault Trucks, on prenait le car à l'intérieur de l'usine pour aller au self. Tellement le Renault, il était géant. Et tous les jours, on passait devant la mosquée en construction. Et youp, sous le temps. Fallait voir les réflexions. Ah là là, da da da. Bon, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui, la mosquée, tellement elles sont devenues belles, ça va plus être un endroit où venir squatter, passer du temps, que faire sa prière avec le cœur. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr qu'on a besoin des endroits grands, sécurisés, mais des trucs comme ça, où ça crée polémique avant même que c'est construit. Donc évidemment, il va avoir de la visite, évidemment, il va avoir du swag, évidemment, il va avoir « on n'est pas à la mosquée, nous !» Évidemment, voilà, tu vois, c'est tous ces dérives que moi je parle, hein, frérot. Hein. Bien sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que, comme tu dis, après, moi, j'ai pas trop envie de dire swag, j'aime pas trop, trop ce mot. Voilà, swag, on peut pas mettre swag dans une mosquée, frère. Tu peux pas mettre. Non, mais on se comprend, l'esprit. Après, je parle pas de la mosquée. Je parle de l'esprit qui va avec. Frère, après, chacun son cœur, tu vois. Si y en a, il vient. Tu vois, exemple, je sais pas, moi, j'espère pour moi, exemple, je suis à Istanbul dans une mosquée, tu vois. T'as les minarets, t'as le Ezen, frère. T'as vu, je sais pas comment te dire. T'as les frissons, t'as une autre pensée, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'espère que. Des gens comme, tu vois, les gens que tu décris là, que tu décris les swags, ils viennent pour des photos, pour des snaps à la mosquée. Inch'Allah, je souhaite, après la construction de cette mosquée, quand elle est finie, Inch'Allah, quand ils voient les ailes, ils peuvent changer, frère. Faut poster aussi de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les ailes vont être. Ils vont le mettre à la mosquée. Ils vont le mettre à la mosquée. Non, ça va pas être dehors, mais il y aura une grande cour. Il y aura la mosquée qui va faire 2500 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Et il y aura aussi une cour. Il y aura une cour aussi. Genre, tu vois, une mosquée à Istanbul, exemple, la mosquée bleue, le Sultan Ahmed, ça va être exactement pareil. Frère. Il y aura les 4 minarets. Là, ils ont déjà mis les 21 coupoles, ils les ont finis la semaine dernière. Après, là, on est déjà pratiquement, on va dire, on est à 40%. Et jusqu'à maintenant, c'est des dons, Bassem. Je sais. Oui, je sais. Et pourquoi la mairie, ils ont dit on finance les 10%, les 2,5 millions d'euros, parce qu'ils ont, déjà, ils ont financé l'église orthodoxe et ils ont financé le truc des bouddhistes, je sais plus comment on appelle ça. C'est une obligation là-bas, un temple. Exactement. C'est une obligation, ouais. Non, c'est pas un temple, il y a un autre nom des bouddhistes. Et ça a été construit aussi à... Il y a 3-4 ans de ça à Strasbourg. Là, on est en France. Liberté, égalité, fraternité. Il y a l'égalité, frère. La mairie, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Non, que dans mon frère, que dans les mots. Que dans les mots. On est dans un pays laïque, Bassem. Donc, je ne vois pas pourquoi ça les dérange. Tu vois ? En Turquie. Qu'est-ce que ça nous ferait, nous, si...
Oui, mais en tu... confonds pas la Turquie. La Turquie, c'est l'Empire de Byzance, c'est Constantinople, c'est 3000 ans d'histoire, frère. 3000 ans d'histoire. Bien sûr, c'est pas ok, pareil. mais et nous en France, Bassem, on est et nous en France, nos grands-parents, nos parents, ils ont fait quoi? En France, on a travaillé pour ce pays, on a payé nos impôts, on s'est donné un fond pour ce pays. Mon père, il a travaillé plus en France qu'en Turquie, donc on a aussi un droit ici. On est dans nos tiens, droits. Tiens, il y a un frère, il y a un frère là dans la room qui te dit, tu as du bon sens, t'es traditionnel et t'aimes l'islam authentique, mais Erdogan, c'est de l'islam adapté à la modernité. Cette mosquée, elle a aucun rapport à Erdogan. Il faut pas tout mélanger. Déjà, c'est pas un parti politique. Le Milliye Russe, c'est une association qui est basée, qui a commencé en Allemagne, à Köln, à Kerpen exactement. Je peux te dire le lieu, le village, à Kerpen. C'est juste à côté de Cologne. C'est à 25 km. Ils ont commencé là-bas. Aujourd'hui, tu commences de Canada, ils sont jusqu'en Australie. Tu peux faire tes recherches. Il y a, si je me trompe pas, dans le monde entier, ils sont à 1600 mosquées, voire même plus même. Je ne sais pas le nom exact, il y en a tellement. Ça commence, comme je t'ai dit, du Canada en Australie. Il n'y a aucun rapport à Erdogan, frère. Cette association, c'est une association européenne, européenne mondiale, hors de la Turquie. En Turquie, ce n'est même pas le Milliye Russe, frère, pour te dire. En Turquie, c'est carrément, c'est un autre nom. En Turquie, il y a le Diyanet, qui fait partie de l'ITIB, D-I-T-I-B. Il y en a aussi en France, ça fait partie de l'État. C'est des mosquées qui sont de l'État. Toi qui es près des comptes, il y a eu des financements de l'étranger? Zéro. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir. C'est les conditions que la mairie, ils ont données. La première condition, pas de financement de l'étranger. Deuxième condition, c'est une entreprise alsacienne qui va construire. C'est Jean-Sébastien Barre qui est en train de faire la construction. C'est une grande entreprise alsacienne. C'est eux qui Et c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait tout normal. À fait normal. C'est tout, tout à fait normal. Normal. Et notre association, elle n'a pas dit non. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Voilà, vous nous avez autorisé. Bien sûr que nous, on va passer par vous. Et c'est une entreprise alsacienne qui construit la mosquée. L'entreprise Barre. D'accord. Et c'est deux conditions. Bien sûr, il y a eu des conditions. Jusqu'à aujourd'hui, c'était que des dons, Marcel. Que des dons. C'est la première fois que l'État, quand je dis l'État, la mairie, ils ont dit, on vous finance. Et ça, c'est sorti du jour au lendemain. Mais parce que l'Alsace-Lorraine, je le répète, sont dans un régime spécial où ils doivent financer toutes les religions. Et c'est ce qui crée le débat aujourd'hui. Alors, le temple bouddhiste, on appelle une stupa. Exactement, voilà. Quand ils ont financé l'église orthodoxe, ça n'a pas dérangé. Mais là, on parle d'islam. Et puis, évidemment, ça fait les... Et puis Zemmour, il se frotte les mains. Et puis l'autre. Et puis ci. Et puis ça. Finalement, ils sont dans leurs droits, quoi. C'est la loi. Et l'église ils sont comme ça. Ils ont reçu, et l'église orthodoxe, ils ont reçu des aides de la Russie. Mais personne n'a dit non. Mais ils ont fait une église orthodoxe, mais magnifique. Hein, quand tu vois, on l'a impressionnant. Au bord d'un bon lac, au milieu du quartier bourgeois de Strasbourg, dans un très, très bon coin. Et moi, perso, je l'ai vu, impressionnant. Mais personne n'a parlé. Ils n'ont pas fait autant. Mais c'est une tempête dans un verre d'eau, pas simple. Bien sûr. Frère, la mairie, dis-toi, ça va être un monument, on ne va pas dire historique, mais un monument touristique face à la cathédrale. En fait, il y a la cathédrale et il y aura les minarets qui se croisent. Un peu quand tu regardes un peu en hauteur. Ils se croisent. Alors, il y a un frère de Strasbourg qui me dit « Wallahi, je vais pas te mentir, à Strasbourg, ça pue le concours de qui va construire la plus belle et la plus grande mosquée. » Tu vois, moi, c'est ça qui me... Bref, parle-nous un peu... Mais il parle de quelle mosquée? Il parle de la mosquée à... Ouais, je vais dire... Par les Maghrébins. Non. C'est la vérité, Bassel. Il y a une mosquée qui a été créée par les Maghrébins, juste en face de l'hôpital civil, c'est aussi au centre-ville. Elle n'est pas très loin de la mosquée du Sultan. Mais ça ne suffit pas, Bassem. Ça suffit pas. On prie dans la rue. Encore, on a des grandes mosquées comme ça. On prie encore dans la rue, Bassem. Mais la mosquée, elle n'a pas... Alors oui, c'est bientôt jeudi de l'angoisse. Faites pas chier ou je vais arrêter l'émission. La tête de mon père. Arrêtez de croire que je suis à votre commande, là. Comment c'est pas
Frère, tu peux nous parler de l'intérieur de cette mosquée? Alors, ça va être un truc de fou. Il va avoir des cours. Ça va être une communauté. Ça va être un vrai village, frère. Ça va être une communauté musulmane. On va pas dire communauté turque. C'est vrai que c'est la communauté turque qui construit cette mosquée, mais ça va être une communauté musulmane. Il y aura 21 ou 22 boutiques. On va essayer de ramener à 22 boutiques pour que, voilà, pas que la communauté musulmane. Bien sûr que c'est ouvert pour toutes les communautés, hein, puisque, comme je t'ai dit avant, ils l'ont déjà mis dans les monuments touristiques de Strasbourg. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Strasbourg, ben, ils viennent visiter la cathédrale, ils peuvent aller visiter l'église orthodoxe, la mosquée et le sultan, parce que ça va être un truc de fou. Ça va être magnifique, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, des mosquées avec deux minarets. On n'en a pas mis quatre, on en a dit deux. Ils nous ont autorisé à deux minarets. Et il y aura une grande cour. Non, mais ramenez les sabres aussi pendant que vous y êtes. L'autre, il m'a dit, on n'en a pas mis quatre, on en a mis deux. Non, mais ramenez les sabres. Oh, remettez les moustaches, venez. Chiez sur les gens, allez-y. Non, frérot, moi, ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi chier pour deux minarets en plus? Pour deux minarets en plus, on va pas chier. Non, non, on rigole, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie. Mais il y a une chose, Alors, il y a une chose qui est bien... Et qui n'est pas bien, c'est que dans ce genre de mosquée, Eyoub Sultan à Vénissieux, moi je l'ai visité, je suis parti faire la Gémoura avec tous les défauts que j'ai et tout, je suis parti là-bas un peu. Et oui, c'est vrai que c'est un centre où il y a les hommes à côté, ils boivent le thé, ils se parlent entre eux, il y a un coiffeur, c'est super bien, ouais. C'est un centre. Mais j'ai envie de te dire... J'ai parlé à un Turc, je dis c'est trop bien et tout. Il me dit, regarde, nous on emmène les enfants ici, ils s'amusent ici, mais ça reste dans un cadre où quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière, ainsi de suite. Mais pendant l'heure de la prière, tu t'aperçois que dans ce genre de grande mosquée où il y a des centres commerciaux, putain, il y en a, ils vont même plus calculer l'heure de la prière, je crois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, c'est chacun sa foi, frère, tu vois. Chacun sa foi, oui, mais en général, il y aura des gens qui vont venir qui d'habitude ne seront jamais venus. Mais ils vont pas venir pour prier ou pour... Ils vont venir parce que... Putain, c'est... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frère. Mais bien sûr, après, faut aussi aller dans le sens baptême. Cette personne-là qui est jamais venue, imagine quand il vient là-bas, il voit ça. Je sais pas, d'un coup, il a la foi. C'est comme il a dit. On est allé entre amis à Istanbul, ici à Strasbourg. Tu vois, Mosqueland. Wallah, frère, il y en a, il a dit sur la roue, c'est Mosqueland. Wallah, bientôt tu pourras te faire tes ongles. Tu vas venir, tu vas. Non, non, mais bon, allez. Wallah, mosquée, les gars, faut arrêter. Non, frère, tu connais la roue. Non, frère, c'est important. Inch'Allah, elle est finie quand? Inch'Allah, elle est finie, ben, c'est prévu pour 2000... Ouais, on s'est dit 2024, bon, Inch'Allah avant, mais c'est prévu pour 2024. Mais totalement 2024. Les matériaux qui vont équiper l'intérieur de la mosquée, ils viennent d'où? Du bled direct? De la France. Tout ce qui est verrière et tout? Non, tout de la France. D'accord. Et c'est, regarde, exemple, Mimbar, chez nous, on appelle, chez vous aussi, je crois, ils disent Mimbesh. Le Mimbed, là où il y a l'imam qui prie, ben, t'as vu, tous les écritures arabes tout autour, c'est, chez nous, la mosquée, celle qu'on prie là actuellement, ben, c'est un ancien dépôt, un ancien hangar, ben, c'est des Français qui l'ont fait, frère. C'est des Français, ils ont fait l'art plastique là-bas et tout. Non, mais les gens, ils me disent, bah, c'est non, parce que c'est les commentaires qui me font rire. En tout cas, frérot, franchement, merci beaucoup de ton intervention. Et la polémique, elle va... Mais moi, je reste sur mes positions. Tu vois, moi, l'argent public, pour moi, ne doit pas servir à financer des lieux de culte. Parce qu'il faut respecter les athées qui n'ont pas de religion, qui eux payent pour des gens comme nous, et après ils vont nous critiquer et nous on devra la fermer parce qu'on dirait qu'on leur doit un truc. Est-ce qu'on a besoin d'eux, nous? On s'en bat les couilles, nous.
Et nous aussi, on paye pour les églises. Donc, on doit dire pareil. Ouais, mais on paye. On vit dans un pays. On n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Kardesh, on n'est pas chez nous. Mais Bassem, tu le dis constamment, la France, c'est chez moi. Ben pour moi aussi, la France, c'est chez moi. La France, c'est chez moi, dans la pièce d'identité, dans ma carte vitale. La France, c'est chez moi. Oh oui. Oui, la France, c'est chez moi. J'aime la France, moi, je suis un Français. Mais je sais que je suis Français administratif. Oui, mais je sais que moi, je suis Français administrativement. Je suis pas Français dans les mœurs. Être Français dans les mœurs, c'est... Je suis pas Français dans les mœurs. Je suis Français administrativement. C'est-à-dire, il y a la carte d'identité, la carte vitale, je suis né en France. L'école de la République, elle m'a appris à lire, à compter. C'est la France, je dois tout à la France, mais je suis pas Français. Mais je dois tout à la France. Bah alors, dans ce cas-là, la France, elle doit enlever la laïcité. Non et... Non Et ils vont enlever Rouya. Liberté, égalité, fraternité. J'aime tellement la France que j'aime leurs racistes. Tu vois, leurs racistes qui disent « C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ces mosquées ?» C'est des Français. Ils ont le droit de l'être. C'est pour ça que moi, comme je te dis, je tant que dans ma tête, je sais que je suis Français administrativement, leurs mots ne me touchent pas. Je m'en bats les couilles, moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je connais plus la France qu'eux. Je respecte plus la France qu'eux, moi. Bassem, je sais pas si t'as vu le reportage de sur CNews de notre président Ebe Chaïm. Ben lui, qu'est-ce qu'il a dit quand l'autre il lui a dit le mec là, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, ben dans ce cas-là, vous quittez la France. Oui, il a répondu zen. Ben si tu me respectes pas, tu quittes la France. Les Français là, tous ceux-là qui parlent, ils sont contents quand ils sont en Turquie, quand ils vont à l'église. L'église qui a été rénovée par les fonds de l'État. Moi, je donne un exemple de la Turquie. Il y a encore plein d'autres exemples, d'autres pays, Bassem. Même dans les pays maghrébins, il y en a. Où t'as vu, dans quel pays t'as vu qu'un lieu de culte se fait financer par des dons? C'est les États qui payent, frère. C'est les États qui rénovent. En Turquie, moi je donne l'exemple de la Turquie parce que je suis turc, je vois tous les églises à Istanbul. Ouais, mais c'est monument historique, les églises à Istanbul. C'est monument historique. C'est l'UNESCO. Frère, c'est l'UNESCO. C'est. Hein aujourd'hui, c'est un lieu de culte. Oui. D'accord. Oui. Alors donnez-nous aussi un endroit ici à Strasbourg qu'on peut prier. On en a marre de prier dans la rue, sur des trottoirs, dans des hangars. Wallahi, mon frère. Wallah, mon frère. C'est très toi, bien. Tu dis, on a besoin d'un toit. Tu dis, regarde, j'ai vu ton snap cet après-midi. Tu as dit, on a besoin d'un toit, ça nous suffit. Non, ça nous suffit pas. Pourquoi on doit être. Pourquoi eux, ils ont des monuments. Ils ont des monuments, des lieux de culte, etc. Et nous, on n'a pas le droit d'avoir deux minarets. Parce que l'Europe est chrétienne depuis 2000 ans. Mais merde. Pourquoi il y a des églises Strasbourg, ceux qui connaissent Strasbourg, il y a une ville qui s'appelle Kiel. C'est une ville allemande. On a juste un pont qui nous sépare. On a même le tram français qui va dans cette ville allemande. Quand tu es sur le pont de l'Europe, qui s'appelle le pont de l'Europe, quand tu es sur le pont en train de passer de la France en Allemagne, tu vois deux gros minarets devant toi, Bassem. Pourquoi les Allemands, ils disent rien? Frère, ceux qui connaissent Strasbourg dans la room, s'il vous plaît, écrivez-moi. Quand vous passez du port du Rhin, quand vous êtes sur le pont en train de passer en Allemagne, est-ce que vous ne voyez pas les deux minarets? Il y a deux grands minarets, frère, devant tes yeux. Pourquoi l'Allemagne, ils disent rien? À Köln, il y a 2 ans, ils ont ouvert aussi une des mosquées des plus grandes d'Europe, avec deux minarets, avec des boutiques. Pourquoi les Allemands, ils disent rien? C'est aussi un pays chrétien, c'est aussi un pays européen. Mais c'est juste que les Français, ils ont une mauvaise foi, c'est tout. Oui, on est d'accord dessus. Oui, bien, mais on est d'accord dessus, c'est pour ça qu'il faut éviter. La mosquée de Kiel, c'est vrai, elle est belle. Elle est magnifique, c'est une petite mosquée avec deux minarets en hauteur, elle est magnifique. Et en plus, c'est dans une zone industrielle, on ne dérange personne. À Strasbourg, c'est pareil, on est dans une zone industrielle, on est à 5 minutes du stade de la Meno, stade du Racing Club de Strasbourg. On ne dérange personne. Quand il y a des matchs, regarde aujourd'hui, quand il y a des matchs, tu sais qu'il y a des supporters, ils viennent acheter des boissons et tout à la mosquée, ils se garent sur le parking. On n'a jamais dit, bon, c'est vrai qu'il y a la grosse partie du parking qui appartient à la mairie, mais il y a une petite partie qui appartient à la mosquée, où ils se gardent devant la mosquée. Jamais on leur a dit, enlevez les voitures. C'est notre lieu de culte, on va prier. Jamais. Venez, on les a toujours accueillis. Et
Il y a aussi un truc, je voulais en venir aussi, Bassem. J'ai vu sur ta radio, de temps en temps, quand tu parlais de la mosquée sultane de Vénissieux, tu dis, ils ne se mélangent pas trop. Chez nous, ici, à Strasbourg, c'est pas pareil. À Strasbourg, on se mélange. On se mélange, on prie tous ensemble. Je te donne un exemple, à la mosquée chez nous, le frère qui nous sert le thé, exemple, c'est un Sénégalais. Et on s'entend super bien, tu vois. Il y a beaucoup de Maghrébins quand, pendant cette pandémie. Non, non. Qui sont venus prier, faut rappeler ce que j'ai dit. Prier. Et c'est, faut rappeler ce que j'ai dit. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle. Faut rappeler ce que j'ai dit. Ayoub Soultan, moi j'étais témoin quand il y en a un. Il a parlé un petit peu avec le directeur en lui disant le dars de l'imam, il n'a pas été fait en arabe. En français. Ouais, c'est ça, ouais. Et en français. Non. Il a été fait uniquement en turc. Pourquoi ce jour-là ? Ce jour-là parce que c'est un imam. Oui, mais parce que c'est un imam de Turquie qui est venu et qui leur a parlé. Et lui, Sohmar, il a cru que c'était le Dars, alors que non. Il leur parlait de la future extension de la mosquée, il parlait d'un collège, il parlait... Et en même temps, il faisait le Dars. Et c'est là où moi, je me suis dit, mais voilà, moi ça me... Je sais pas, on sait très bien, mon frère, t'es pas un gamin, je suis pas un gamin... On est de la même génération, presque. Je peux te dire que entre les Maghrébins et les Turcs, il y a du respect. Et alhamdoulilah, il y a toujours eu du respect. Mais de là à dire qu'on s'aime, c'est mentir, frère. Donc, moi, tu sais très bien... D'accord. Tu sais très bien que les papas turcs, c'est nos pères aussi, les papas turcs, ils étaient élevés dans une génération où, c'est vrai, quand ils voient des robeux, quand ils voient... C'est générationnel, c'est plus comme ça maintenant. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je pense que nos relations entre Maghrébins et Turcs en France, si elles ont toujours aussi bien fonctionné, et même ici, à Lyon, si elles ont toujours bien fonctionné, c'est qu'il y a eu du respect. C'est tout, il y a tout le temps eu du respect, sans mélange. Il n'y a jamais eu d'hypocrisie. Ayoub Soultan à Vénissieux, haqqallahi l'adim. On n'a jamais vu un Turc dire « il n'y a que les Turcs qui viennent ici ». Mais culturellement, nous à Lyon, on sait que c'est une mosquée turque. Ça veut dire quoi ? Demain, on est pressé, on arrive à la Jemoua en retard, on va aller à la première mosquée qu'on trouve. Mais si on prend de l'avance, on sort une heure avant... On va aller à celle qu'on choisit. Tu comprends ? Ça veut dire que si moi, demain, moi, en tant que Lyonnais, si demain, je suis pressé, je vois Ayoub Soultan, je vais m'arrêter, alhamdoulilah. Bonne mosquée, bon frère et tout. Mais je sais que dans cette mosquée, il y aura des Turcs de Bourgoin-Jallieu qui vont venir, de Grenoble. Ils viennent parce que avant tout, pour eux, c'est une mosquée turque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je parle pas de religion, je parle d'ambiance. Exactement. Chez nous, à Strasbourg, c'est exactement pareil. L'ambiance où pendant la Jemoua, moi, je les vois. Après, ils boivent le thé, ils négocient les chantiers, ils parlent ensemble, l'autre, il fait gratter l'autre. C'est un lieu. Donc, je sais très bien que moi, maghrébin... C'est pas que je me sens pas bien, c'est que je sais que c'est une plane, comme on dit à Lyon, c'est une plane entre guillemets turque. Donc nous, ça nous gêne pas. Même si les Turcs ne refoulent jamais de leur mosquée, c'est pas pour autant qu'on y va à nous. C'est culturel. Mais bon. Il nous entend plus le frère Miskin, il est en train de conduire, je crois, peut-être. Bon, allez. C'est pas grave, on coupe avec le frère... Merci, frère Kargesh. Merci de ton intervention. Voilà, frère. Merci beaucoup. Tu nous as expliqué les choses bien. Et en espérant que le projet aboutisse. Et puis, un truc bien, Inch'Allah. Alors, c'est jeudi de l'angoisse. J'ai pas pris les numéros. Venez nous faire flipper. Venez nous faire peur. Il faut que je reprenne un petit peu, là. Bon. On va offrir des AirPods, là. Attends. Ouais. Allô ? Salam ? Oh, Salam, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va, alhamdoulilah, j'ai une question à te poser. Tu préfères l'Ukhriya ou l'Abnawiya ? Alors, attends. Je te réponds après, attends.
Les Catwoman. Ouais. Allô. Allô, salam. Allô, salam alaikum, Bassem, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça va, ça va. Bah, j'appelais aussi pour une... j'avais une question ou un truc, ça me taraude depuis 18 ans en fait. J'avais eu un truc bizarre et ça peut être du type, je dis, de l'angoisse. Donc voilà, et comme j'arrive pas à identifier ce qui s'est passé, peut-être toi-même ou des auditeurs ou les gens de la room pourront peut-être répondre à... Eh ben explique-nous, tiens, explique-nous, je suis en train de lire un peu là. Ouais, explique-nous ouais. Donc. Ouais, donc c'est... bon, je suis désolé, c'est un peu hachette l'histoire, quoi, tu vois. C'était... bon, ça date de 18 ans, c'était 2003, j'étais beau, fringant jeune homme. J'avais rencontré ma... Bah, j'avais rencontré celle qui allait devenir ma femme, hein, et qui allait devenir la mère de mes enfants, bon, même si on n'est plus ensemble maintenant. Donc voilà, et moi j'ai toujours été un gars qui a voulu me préserver, tout ça et tout, donc voilà. Donc elle, c'est la première femme que j'ai connue. Bon, c'était pour resituer un petit peu. À l'époque, quand je l'ai connue, elle habitait juste à côté de mon travail. Moi, parfois, je quittais tard le soir, tout ça et tout. Et une fois qu'on avait décidé de se marier, que j'avais parlé avec ses parents et tout, que je devais aller les voir au bled, tout ça et tout, elle me faisait confiance, elle me donnait les clés de sa maison, elle me dit, ouais, ben même si je suis pas là, ben je te prépare une gamelle, tout ça, tu vois, quelque chose de gentil, ça fait plaisir. Et juste après le travail, souvent, je la rejoignais, tu vois, passer quelques temps avec, quelques minutes avec elle et tout, avant de rentrer et tout. Et le problème, c'est quand on est jeune, tout ça et tout, il y a aussi l'attirance qui fait que, ben, on a dérapé avant le mariage. Donc jusque-là, tout va bien. Vous avez dérapé avant le mariage? Voilà, ouais. Voilà, c'est-à-dire on a eu notre première relation sexuelle ensemble avant le mariage, voilà. D'accord. Bon, mais bon, ça n'a pas changé qu'on s'était mariés, tout ça et tout. Après, tu vois, c'était du sérieux, quoi. Mais par contre, pour moi, c'était la première fois ce jour-là. J'avais 22, 23 ans. Et il s'est passé que quand la phase de jouissance était passée, on était encore enlacés tous les deux, tout ça et tout, quoi, tu vois. J'ai senti comme un truc a bougé entre nous deux, sur nos ventres. Ça m'a fait penser à un lézard qui courait entre nous deux, quoi. Comme s'il s'enfuyait. Et franchement, je sais pas si... Frérot, je... Déjà, j'ai du mal à t'imaginer t'enlacer avec cette voix. On dirait ça, le clown, ça, dans M6, là, le clown qui fait haraï, qui fait peur. Alors donc, qu'est-ce que t'as senti entre vous deux? Donc vous étiez, la phase de jouissance était passée. Donc moi, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu fais là encore? T'étais en train, enlacé. Non, normalement, faut se lever, ouais. Remettre son caleçon, ouais, faut mettre bon, Beansport, voilà. De me parler. C'était vraiment tiens. À quelques secondes près, hein. C'était, ouais. Tu vois. Bon, enfin, bref, ouais, donc voilà, quoi. Et ce que j'ai senti, c'est... je sais pas ce que j'ai senti, mais j'ai senti... Je peux pas dire, c'est invisible. Donc voilà, quoi. Mais elle aussi, elle l'a senti, et elle me dit, mais je sais pas ce que c'est, tout ça et tout. Et voilà, c'était comme si c'était un lézard qui avait couru entre nous deux, quoi, et qui s'enfuyait. C'était un trave, peut-être? Non, c'était... un lézard, c'est-à-dire qui est passé Je sais pas furtivement. Si c'est un lézard qui a couru sur toi, c'était quelque chose non qui est furtif et très rapide. Tu vois, c'est... voilà, quoi. Ah, là, tu viens de nous faire... Ah, d'accord, c'est le nombre de temps que t'es resté avec elle. Tic tic tic, ça a duré ça? Ah, ça a duré tout ce temps? Non mais frérot, à mon avis, je pense que on va dire que c'était les fourmis dans le ventre. Ça a dû taper fort et peut-être que vous avez eu des petites fourmis. Je sais pas pourquoi tu me sors un lézard. T'aurais pu me dire un cafard ou t'aurais pu me dire la sensation là de. On a senti quelque chose qui a vraiment bougé entre nous deux, quoi, et qui s'enfuyait. Putain. D'accord. Voilà. Et ça vous l'a refait? Jamais.
Jamais. C'était un cafard. Imagine, voilà, c'est un cafard qui est sorti. On est resté 14 ans ensemble. Bon, 14 ans? Voilà, quoi. Tu vois, on est resté 14 ans ensemble après, mais jamais ça s'est reproduit. Je sais pas, peut-être t'as dérangé un genou qui était amoureux. Ah, ça s'est jamais reproduit et sinon, de ce côté-là, tout se passait bien pendant que tu étais avec elle, frérot. Oui, alhamdoulilah, normal, hein. Il n'y a pas de... Oui, ça se passait bien, quoi. Non, je pense que c'était la première fois aussi, toi aussi? Pour moi, c'était la première fois, pas elle. Pas elle! Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, bah écoute, ok, bon, bah, t'es d'habitude, c'est les femmes qui sont vierges. Donc, vous avez fait un halal, vous êtes restés ensemble, et puis elle a ressenti la même chose, elle? C'est-à-dire, elle a senti ce truc bouger aussi entre Incroyable. nous deux, ça, oui. Incroyable. Ok. C'est Ok. ça, oui. Bon, Et c'est pour ça que ok. justement, on s'est toujours demandé ce que c'était. Et c'est pour ça que je pose la question si jamais quelqu'un a déjà eu ce genre de choses ou autre, parce que c'est un petit mystère pour moi, quoi, et qu'on n'a jamais su éclairer, quoi. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Quel mystère, putain. Le mystère, c'est de... Le mystère, c'est de savoir pourquoi un puceau va avec une femme qui a déjà niqué et fait un halal avec. Je comprends pas, moi. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu veux, hein, avec le recul, voilà quoi, si c'est à refaire, je le referai pas, c'est fou quoi. Et tu le referais pas par rapport à quoi? Bah Parce que ça n'a écoute, pas marché parce entre vous? que, bah déjà que ça n'a pas marché, Quelle bah honte! écoute, on a été mariés 14 ans, quoi, tu vois, donc toi-même, tu sais que quand on est Non! mariés 14 ans, il y Me a des dis, femmes, me t'as mets pas des dedans! choix. Me dis pas toi-même, tu sais! Aïe, chic! Non, non, Normalement, mais une tu sais femme très bien que vierge quand doit on est aller marié avec un mec longtemps, vierge. quand on est marié longtemps, tu vois, il y a Marié tout un longtemps tas et d'histoires casse-toi. qui fait que, Ouais, voilà, c'est ça. c'est dur de résumer ça, voilà. Là, maintenant, il est clair que si je devais refaire, si j'avais encore 22 ans, par exemple, un an, ça c'est clair et net que je prendrais pas une voilà, quoi. Ouais, tu Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est alors et c'était quoi son histoire avant que tu te maries avec elle? T'es parti au bled voir ses Ben, parents. Hein, le alors son tunnel histoire du à Mont elle, Blanc. alors son Alors voilà, histoire. les femmes qui ont le tunnel du Mont Blanc, vous mettez les petits plats dans les grands. Mais les femmes Non, vierges, non, vous non. leur pissez dessus, bande d'enculés, va. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. mais Ouais, c'est ça. si c'était à refaire, j'aurais bien voulu. Voilà, T'as à quoi. refaire. Après, Ouais. voilà, ce qu'il y a, c'est Sale que bah, con. son histoire avant, elle devait se marier avec son cousin, Ouais. voilà, et elle a sauté, et voilà, Oui. quoi. Et C'est pas après, ça s'est vrai. mal passé, C'est et pas voilà. vrai. Elle faisait des tournantes fou Colstar. Et elle te Non, non, disait, non. oui, c'est mon cousin. Bon, alors, et ça s'est mal passé par rapport à quoi à la fin il s'est passé quoi? C'est Par quoi rapport à cette son histoire de cousin, lézard? par rapport à son cousin, bah, à l'époque, Non, elle mais était. l'histoire du lézard. Ah, L'histoire par du rapport à moi, lézard. tu. Par rapport à moi ou son Non, histoire à elle avant? l'histoire du lézard qu'il y a eu entre vous, vous Oui. étiez combien? Trois? Il y avait quelqu'un d'autre avec toi? Peut-être c'est ça le Non, lézard, sur parce que. celle-là, non, 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 quand même, bah, voilà, quoi. On n'était pas trois, mais c'était que elle et moi, et voilà, quoi. Ok. Au niveau de la relation, frère, c'est elle qui est partie, je crois, non? C'est moi. C'est toi qui es parti? Oui. Il s'est passé quoi, frérot? Oh, c'est tout un tas d'histoires, hein. Y a des choses qu'on ne peut pas accepter quand on a du nif, tout ça et tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Y a des mots à ne pas dire. Il y a des mots à ne pas. Ouais, Voilà, bah quoi. Quand ouais. Quand on a du nif, ouais, bah voilà, ouais. si je peux résumer en gros, tu vois, quand je l'ai connue, elle était clandestine, tu vois, en France. Donc, elle a su évoluer dans la vie grâce à moi, tu vois. Et il y a des Clandestine, moments, c'est-à-dire? bah, pas de papier, quoi. D'accord? Voilà, tu sais, toutes les meufs, tous les gens qui rentrent avec un visa touristique et qui restent là, quoi, et qui le laissent courir, tu vois. Et bon, bah, au bout d'un certain temps, bah, j'ai essayé de faire tant bien que mal de la tirer vers le haut, parce que voilà, tout ça et tout. Et au bout du compte, Tu bon, l'as bah, trouvée elle où, a. cette femme? Hein? Où tu l'as trouvée, Dans cette femme? le parc où je travaillais. Dans le parc?
dans le parc où je travaillais, ouais. Ok. Ouais. Et elle s'y baladait de temps à autre parce qu'elle habitait juste à côté. Il faisait très beau cette année-là, c'était 2003. Donc voilà quoi. Ah ouh, coup de foudre à Notting Hill. Aïe aïe aïe, le frère. Ah, c'est un peu dit... ça, ouais. Le frère, il me dit, c'est un peu ça, ouais. En fait, elle était dans le parc, elle travaillait, Rouya. Et toi, tu le savais pas. Elle bossait dans le parc. Elle cherchait des clients. Elle bossait. Et toi, tu travaillais. Machallah, t'as ramassé un papier et t'es tombé sur ces schlekas. Aïe, 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 aïe. Donc après, il s'est passé quoi? Vous vous êtes proposé. T'es parti la voir. Elle te regardait. Comment est-ce que t'as senti qu'il y avait moyen de moyenner sur le banc d'à côté, hein? Explique-moi. Ah non, c'était pas le banc d'à côté, puisque moi je surveillais donc le parc, donc je pouvais pas être assis sur un banc. Je l'ai vu passer, et puis en général, nous les gardiens, on est des gros dragueurs. Des gros pervers, ouais, 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 ouais. Ouais. À l'époque, hein, parce que je le suis plus maintenant. Je les connais, moi, les coupes au gel à l'arrière, les grosses baskets montantes, hein, ouais, on les connaît, c'est de la part Dieu là-bas, là. Ouais, ouais, des gros pervers, ouais, ouais, donc... Et puis, puis voilà, quoi, je l'ai vu passer, puis je suis allé l'aborder comme... c'était une époque, encore 2003, où on pouvait aborder des femmes dans la rue sans problème, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était une époque où on pouvait, en 5 minutes, on avait le numéro, quoi. Tu vois. C'était une époque où... Et vous avez fait connaissance, et elle n'avait aucune situation, et finalement, tu t'es marié avec elle. Voilà, ouais. Ouais. Tu as des... Tu as fait des gosses avec elle, frérot? J'en ai deux, alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah, deux. D'accord. Je m'occupe d'eux, je les vois, ils viennent à la maison, tout ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, alhamdoulilah. 14 mon grand et 10 ans ma petite. Alhamdoulilah, frérot, que Dieu te les protège. Est-ce qu'elle t'a trompé? Hein? Est-ce qu'elle t'a trompé? Elle me jure que non. Ah, voilà, Wallah, Wallah, j'ai pas envie de jurer, mais elle te jure que non. Oui, oui, ouais. Elle t'a trompé, frère. Tu as la gueule de l'emploi, tu as la voix qui va avec. Elle t'a trompé. Elle t'a toujours trompé. Tu l'as servi de pièce d'identité, Rouya. Bah, elle t'a fait des enfants, mais les enfants, qui c'est qui les garde? C'est elle. C'est elle qui les garde. Elle a fait des enfants. Et aujourd'hui, moi, je pense que... Frérot, t'es pas un gamin. Dans un couple, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Exactement. Si tu t'es posé la question un jour, c'est qu'elle t'a trompé. N'oublie pas dans quel état tu l'as trouvé. Ah, ouais, c'est vrai. Mais merde, quoi. Merde. Et non, parce que moi, je sens que t'es quelqu'un... Bon, apparemment... T'es quelqu'un, t'as pas l'air méchant, frérot. Voilà, tu es posé, t'es tranquille, quoi. Ouais. Voilà, tu es tranquille. Bon, j'ai mon caractère, j'ai tout ça, mais bon, voilà, quoi. Et ton IF, et ton IF aussi. Rappelle-toi. Voilà. Ouais. Bah oui, voilà. Et puis surtout que là maintenant, déjà le métier que j'exerçais à l'époque, ça exigeait quand même d'avoir un peu de caractère, un peu de tout ça, parce que bah, pour surveiller, dire aux gens, faites pas ci, faites pas ça, tout, et puis intervenir, tu vois, c'est la sécurité, quoi, tu vois, donc faut quand même un petit peu avoir, et puis plus tu grimpes dans les échelons, maintenant j'en suis à gérer une centaine de personnes. Allô, sur plusieurs corps de métier, voilà. Allô, quoi. Frérot, reste avec nous, le second qui est arrivé. Allô, salam alaikum. Tu sais quoi, c'est ce que j'allais te dire. Miskine, wallah le frère, wallah mon frère. Miskine, tu mérites pas. Ça se voit que t'es gentil. Regarde, le frère, il vient de décrocher au téléphone. Tu la célèbres. Ça se voit que toi, on te marche dessus. Ta femme, elle a dû te marcher dessus, frère. Muscle ton jeu. En fait, le truc, c'est que justement... Si, elle niquait ailleurs et tout, frérot. On le ressent derrière le téléphone. Mais attention, frérot, c'est pas une honte. T'es quelqu'un de hanine, machallah. Mais... Je crois que il faut faire attention pour la prochaine, frère, Inch'Allah. Et puis, moi, je pense que toi, tu l'as jamais trompé. T'es jamais allé voir ailleurs, toi. Si ? Allô, allô ?
Qui c'est qui est avec nous? Il a raccroché, je crois qu'il les a. Non, il est là encore, il est là. Bref, c'est pas grave. Alors, le second frère, tu voulais réagir? Ouais, je voulais réagir à Harry... Harry Lézard? Il est là ou pas, Harry Lézard, là? Non. Arrête. Arrêtez. Crocodile Dumber. Crocodile Dundee. Frère, la vie de ma mère. Quand il me parlait, je voyais René Lacoste. Je voyais des lézards de partout, rouillard. Le mec, il me dit, comment j'ai voulu préserver mon nid, Frouya, t'as pris de l'occasion de Miskine. Elle a dû le voir dans un parc, elle a dû le voir Nia. Elle s'est dit, elle lui a dit, il y a le babour, il y a mon amour, elle lui a dit. Oh, papa. Miskine. Ouais, je m'en fous, à un moment donné, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi cette histoire, là, frère? Il racontait une histoire avec un lézard qui lui est passé sur le ventre, je sais pas trop quoi. Non, à mon avis, il a dû sentir cette sensation-là, tu sais, des fourmis dans le ventre, genre. Mais lui, je sais pas pourquoi, encore si c'est la femme qui les sent, les fourmis. Ouais, mais lui, je sais pas pourquoi, il m'a dit un lézard, bon... Frérot, j'ai vu quoi dans la room? Ari, Yushi. Yushi dans Mario, tu vois qui le lézard, là? Attends, on va rappeler Omar, attends. Vas-y. Miskine, wallah, s'il y a moyen de lui trouver Haja, s'il y a moyen de lui trouver, alors attends. Bouge pas, il est où le Franjo? Il est où? Ah, il a un souci d'audition, on me dit. Ah, Miskine. En plus, il est sourd. Oh, putain. Attends. Il est là, il est pas là? C'est quoi ça là? C'est quoi ce bruit là? Bordel! Voilà. Allô? Allô? Salam? Ouais. Ça va? Bassem, je t'appelle ce soir pour te parler d'un sujet parce que je viens de voir l'auditeur qui vient de passer juste avant. J'ai vu un article tout à l'heure qui parlait de l'humilité dans la société. C'est-à-dire que, on a une gros. En gros, ils essaient de te faire passer l'humilité comme un passage obligatoire pour la réussite ou pour être quelqu'un. Et je trouve que c'est un gros problème dans notre société. J'aimerais avoir ton opinion. L'humilité, c'est-à-dire? L'humilité, être humble, quelqu'un qui ne va pas se la raconter, tu sais, je ne sais pas te donner d'exemple comme ça, mais quelqu'un qui va faire profil bas, tu sais, qui ne va pas... Et ils ne veulent pas de ça, toi, tu penses? Moi, je pense que oui, parce que déjà, quand on voit ce que la société d'aujourd'hui, les fragiles qu'on a aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, les personnes qui ont des mentalités de fragiles, les feignants, qu'on a aujourd'hui, tu vois, ça correspondrait bien à leurs critères. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ils féminisent la société, on l'a dit à plusieurs reprises, ouais. Exactement. Moi, par exemple, je fais partie de cette génération, je vais avoir 20 ans cette année-là. Là, il y a 2 mois, parce que moi, j'habite au Portugal. Je suis revenu en France pour travailler, parce que mon père est encore en France, dans le bâtiment, on travaille dans le bâtiment. Je suis venu en France, tu vois, par exemple, en France, je vois qu'il y a encore des gens de mon âge qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Et j'espère que ça continuera encore comme ça. Mais nous, au Portugal, on a ce problème-là. Les gens, du fait, à mon avis, du fait qu'on ait une tranquillité qui soit un peu plus supérieure à la France, ils sont mis dans une bulle où ils sont protégés, tout simplement. Je sais pas t'expliquer ça, mais ils sont dans une bulle où il y a de... j'arrive pas à trouver le mot, là. Tu sais, où ils s'auto-suffisent, entre guillemets. C'est-à-dire que je vois pas de gars de mon âge aller se lever le matin pour aller travailler. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. Voilà. Tu trouves que les Portugais de France, ils sont plus travailleurs que ceux qui sont blés? Attention,
attention à différencier, les Portugais de France n'ont rien à voir avec les Portugais de mon âge, de ma génération, donc des 2000. D'aujourd'hui, les Portugais de France, comme mon grand-père quand il est parti émigrer en France, pour moi, c'est des bonhommes. C'est des gens qui ont tout laissé au Portugal pour aller conquérir un nouveau monde et justement donner des possibilités à leurs enfants, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a, nous, au Portugal, des jeunes de ma génération. Ouais, qui rentrent au Portugal, qui font les crâneurs. Ils prennent l'autoroute avec leur voiture. Les plaques du Luxembourg, ouais, on les connaît. Ouais. Ouais, putain, on les connaît. Hein. Les Portugais du luxe. Non, on les connaît. Comment ? On les connaît un petit peu, ouais. Mais bon, ouais, ça, mais c'est... De partout, ouais, c'est comme ça, frérot. Et même ouais, chez nous. Hein. Ouais, mais non, mais même en France, j'y suis retourné, là, il y a un mois, c'est différent. Bah, t'as encore des gens qui... de mon âge, c'est des vaillants. Tu vois, ils vont, ils se lèvent le matin. Nous, allô, au Portugal, moi, j'ai... Allô, des gens, excuse-moi, ouais, frérot. Ouais, allô, il y a une deuxième personne avec nous. Ouais, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, reste avec nous, on va revenir au devoir. Frère portugais, donc, un dernier mot dessus, parce que c'est une chose qui te tient à cœur. Et moi, j'aime bien... Écoute. Les frères portugais. Bah, écoute... Comment ? Obrigado. Obrigado, la communauté, hein. Portugaise qui me suit beaucoup. Voilà. Ouais, frérot. Mais c'est important le message que tu as fait passer. Après, franchement, ils sont nés dans le confort. Toutes les générations, elles sont nées dans le confort maintenant, frérot. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Ouais, mais justement, c'est ça le problème. C'est... Là, on est en train de pourrir une génération et moi, je vois qu'aujourd'hui, on n'a pas de futur. Avant, les générations d'avant, elles avaient des modèles, etc. Nous, aujourd'hui, on n'a plus de modèles. Les modèles, c'est Instagram. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr. Tu prêches un convaincu, là. Reste avec nous, frère du Portugal. Le deuxième frère qui est avec nous, salam alaikum. Sur quoi tu voulais réagir ? Alaikum salam, Bassem. Ce soir, c'est le jeudi de l'angoisse. Hein. C'est bien ça, jeudi de l'angoisse, ouais. Vas-y, envoie la sauce. Tu t'es fait sourire, tu t'es fait riner, toi aussi, frérot ? Non, pas du tout. C'est un sujet, bon, c'est angoissant pour toi. Et j'aimerais tout d'abord te demander si tu es un homme de défi. Un homme de défi, c'est-à-dire, frérot ? Un homme de défi, est-ce que tu un défi, par exemple, je sais pas moi, si on te demanderait, par exemple, à tout hasard, parce que j'aimerais faire une expérience sociale, mais tout dans le bien, il n'y a aucun... T'as toute une communauté qui te suit, il y en a beaucoup aussi, comme moi, qui te considèrent comme un grand frère, hein, pour être honnête. Hein, moi, si demain tu montes à Paname et que t'as besoin... comme merci, Allah oufi, frère. Et c'est sincère, hein, Bassem. Hein, wallah, ouais, je sais. Wallahi, je sais, frère. Je sais. Quand je te parle de défi, Bassem, je te demanderais, je te dirais, est-ce que tu serais capable, tout en étant... Enfin, que ça soit une expérience sociale pour pas mal de gens, est-ce que tu serais capable, en t'accompagnant bien sûr, et en tu décides du jour et quand tu voudras le faire, tu vois, et si tu as envie de le faire, d'arrêter le khnouf avec tout le monde. On est là, on te motive, tu commences avec nous. Il y a peut-être des frères aussi qui veulent arrêter et qui veulent faire en même temps que toi, tout en faisant une expérience sociale entre guillemets. C'est pas un jeu, hein. On n'est pas là en train de jouer, hein. Mais ça va dans un bon c'est un sacré défi. Et moi, je vais répondre par un défi, moi aussi. Donc, répondre un défi par un défi. Donc, toi, tu me dis devant tout le monde, tu nous dis quand t'arrêtes le khnouf. Barakallah oufi que tu penses à moi. Mais moi, j'ai un défi à te proposer. Toi, tu veux l'arrêter, nous, on va le commencer. Allez, tous en même temps. 1, 2, 3. Allez. Non, je rigole. Frérot, tu sais pourquoi je rigole ? Parce que j'en suis incapable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Wallah, c'est très sérieux. Wallah, c'est très sincère, frère. Je sais que je le ferai. Mais c'est très sincère, frère. Des fois, je filme des clopes à la traumatisée. Je sais pas si tu vois. Ouais. Bassem, t'as une chance d'avoir toute une communauté derrière toi, t'imagines ? C'est une motivation de malade. Et en plus de ça, je t'ai demandé si t'étais un homme de défi, mais véritablement, on sait tous que t'es un homme de parole et un homme d'honneur, tu vois. Si tu décides un jour
de vouloir arrêter, peut-être que ça peut commencer par là, parce que finalement, tu as toujours dit que tu allais tôt ou tard arrêter, donc peut-être que ça peut commencer comme ça, toi qui es beaucoup exposé, peut-être que ça peut t'aider, j'en sais rien, c'était juste... J'ai progressé, wallah il a dit, frérot, c'est grâce à des gens comme toi, tu sais que des gens comme toi, au début, en 2016, quand je faisais mes lives, wallah, je fumais normal. Ouais. Je fumais normal. Ouais. Et les gens m'ont dit, des gens comme toi, au fur et à mesure, Bassem, tu devrais pas. Les gens, ils te regardent, ainsi de suite. Et peut-être que, après, là, maintenant, de plus jamais, je le fais devant la caméra, mais, et peut-être que bientôt, grâce à des gens comme toi, eh ben, je vais arrêter. Je vais arrêter pas par rapport à la communauté. La communauté, je sais qu'elle fera des doigts pour moi, mais moi, j'ai pas envie de faire ça comme un défi. J'ai pas envie de dire, d'accord, bon, les gars, aujourd'hui, c'est le défi. Bien on y va grâce à ma communauté. Et puis, quoi encore? Je monte mon cul, moi? Non. Si je le fais, c'est pour mes enfants. Si je le fais, c'est pour moi et c'est pour Allah, déjà, haram. Pour ma santé, déjà. Bassem, j'ai commencé à te dire, c'est pas un jeu. Je t'ai pas parlé de faire ça en sous forme de jeu. Mais plutôt, en fait, comme on est beaucoup derrière toi, mine de rien, tu vois. Toi, par exemple, tu vas proposer aux gens d'aller aider une femme qui est en détresse, etc. Pourquoi pas et la roue tourne, pourquoi pas t'aider toi aussi, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on est là aussi pour s'entraider pour toi, pour d'autres gens. Tu fais partie de la communauté, mine de rien, tu vois. Donc, pas prendre ça pour un jeu, mais pour plus un défi d'un sacré défi que tu pourrais peut-être commencer avec nous tous, quoi, tu vois. Écoute, frérot, Inch'Allah, moi je sais que j'en suis largement capable et je sais que je ne suis pas non plus à cheval dessus. Ceux qui marchent avec moi le savent. Un ou deux maximum par jour. Et encore, la tête de ma mère. Bassem, on veut une date. On veut une date, Bassem. Inch'Allah, écoute, on verra plus tard. En tout cas, frérot, merci beaucoup. Hein. On t'applaudit. Toi, t'es un bon. Merci beaucoup. Merci. Le frère portugais qui nous a appelé aussi. Bon, c'était jeudi de l'angoisse. J'ai pas préparé l'émission, mesdames et messieurs. J'avais pas le temps. Mais wallah, je vous promets de vous faire des émissions où toute votre vie, vous allez avoir peur. Vous inquiétez pas. C'est super important. Là, j'ai pas respecté le thème. Wallah, j'ai été pris par le temps. C'est de ma faute. Ouais. Alors, attends. À la mi-temps, ceux qui veulent parler d'angoisse, hein, bien sûr, surtout vous envoyez tout à Pochon directement. Oh, allô. Ouais, allô, salam alaikum, frérot. Alaikum salam, bien, Bassem. Ça va, tu vas bien, et toi? Ça va, Abdoulaye, c'est Mani. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Mani, 42? Ça va, mon frère, Alhamdoulaye, toi, Alhamdoulaye. T'as vu la boîte que j'ai, là? Sur la tête de... Eh ben, frérot, tu khadem, t'as vu la boîte qui est là? La tête de ma grand-mère, elle est pour toi. T'as été tiré au sort avec Ekenne Fibreux. T'as des AirPods Pro qui vont arriver à la maison, Psartek Mani. Rabbi Aounek, mon frère, t'es un bon. Wallah l'adim, frérot. T'es du secteur, tu viendras me voir, on filmera quand tu les as reçus. Regarde, elles sont là. Et si tu veux savoir qui c'est qui te les a envoyés, ben il est là. Hein. Et Kadhafi, voilà, tu ouvres le bar, s'il te plaît. Tout ce qui s'agit de la fibre, vous avez pu le comprendre, ça a d'aller là ou là. Il y a les fibres. Qu'est-ce qu'on fait les fibres? On fait de la mise en relation, de la vente de matériel et on fait même passer les habitations. Qu'est-ce que c'est la mise en relation? C'est de pouvoir se connecter entre nous. On est la première plateforme française à centraliser toutes vos annonces. Tu recherches du taf dans la fibre, tu proposes du taf dans la fibre, tu nous contactes directement et nous on gère ça pour toi. Si tu bosses dans la fibre, tu sais très bien que les habilitations c'est obligatoire, que ça soit l'habilitation électrique ou même l'IPR. On a développé une application pour les faire passer totalement en ligne. C'est fini la prise de tête de trouver un centre de formation pour te les faire passer. Tu perds une journée, t'es pas produit et tu gagnes pas d'argent. Avec nous, tu les passes à ton rythme et tu les passes directement sur ton téléphone. Le matériel, c'est primordial. Tu veux être livré en 24 heures ou tu veux passer directement à l'agence, tu peux. 23 euros Rabelais, 100 points. Les fibreux, c'est la référence. C'est plus de 13 ans d'expérience dans la fibre optique. Grande passe.
mi-temps, Radio Halib. Halib à profusion. Ça va les gens, vous allez bien? Hein, Octopus. Ouais, bien sûr, en espérant que les choses se passent à la bien. Bon, attends, on va essayer de... Ah. Vous êtes de plus en plus nombreux, mesdames et messieurs. Faut qu'on tape les 7K, là. Ah, bien sûr. Comment ça, j'ai un euro pour un café? Comment? Allô? Allô, salam alaikum. Salam. Tu m'as donné ton numéro? Qui c'est? Tu sais pas, tu m'as donné ton numéro, non? Tu voulais réagir à la radio? Allô? Allô? Ouais. Tu m'as donné ton numéro, tu voulais réagir à la radio? C'est qui? C'est Bassem, là? Ouais, c'est Bassem. Ah, salam, ça va? Salam, ça va, frérot? Je sais pas, t'as mis du temps, j'allais partir en vrille. Pardon. Là, j'allais... Pff, non, ça va, non, bon. Pas en vrille, c'est parce que t'appelles en masqué et tout, tu vois. Ah, d'accord, t'appelles en masqué. T'es recherché, frère, si t'arrives, t'es... Non, pas du tout, c'est juste, j'ai pas l'habitude de... Non, non, tranquille. Ouais, tranquille. Non, normal, aucun problème. Alors, explique-nous, il s'est passé quoi, toi, frérot? Je suis en direct, là. Non, t'es... commence pas. Ouais, t'es en direct. Voilà, t'as vu? Non, mais, ouais, moi, il s'est passé... il s'est passé quelque chose de bizarre, en fait, il y a à peu près 5 ans, tu vois. Moi, il y a 5 ans, voilà, attends, juste, je m'écarte un petit peu. Donc, en fait, moi, je t'explique, moi, il y a 5 ans, j'ai divorcé, tu vois. J'ai divorcé. Allô? Ouais, je t'écoute. Voilà, j'ai divorcé, et le truc, c'est que... Wallah l'azim, j'allais péter. Après, j'ai dit, ça c'est à quoi ça sert que je... À quoi ça sert de crier sur ces gens? J'allais me mettre à genoux, là. J'allais lui dire à quelle heure on pompe. Là, je sais pas, tu nous dis... Allô? Allô, salam, Bassem, ça va? Salam, ça va, et toi? Ouais, bien tranquille. Wesh, tu vois qui en finale de Ligue des Champions? Ouais, c'est jeudi d'angoisse. On s'en fout. Wallah... Pourquoi il y a les mêmes numéros qui m'appellent? Allô? Ouais. Allô? Ouais. Alors attends. Wallah, il y a les mêmes numéros qui t'appellent. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai, ces bandeurs. Incroyable. Incroyable. Wallah, incroyable. Il y en a un, tu rappelles? Vous vous rappelez l'autre qui m'a dit, je mets rappel automatique. Il est là. Oh là là. Un chitin. Ouais. Hein. Ouais, mais il faut répondre. Allô? Allô. Salam alaikum. Allô, allô. Allô, salam alaikum. Tu m'entends, frérot? Ouais, et toi? Est-ce que tu m'entends? Allô? Tu m'entends ou pas? C'est une blague, tu... Allô, allô? Allô? Allô, frère, est-ce que tu m'entends? Bon, allez, sur la vie de ma mère, allez vous faire... Allez, Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Tu nous appelles d'où, frérot? J'appelle de l'Allemagne, frérot. Allemagne, ouais, tu voulais passer? Ouais. Ouais, tu voulais passer à la radio? Ouais, mais regardez pas vos ordinateurs! Les mecs, pourquoi vous vous regardez quand vous m'appelez? Ça fait un décalage et on s'en sort plus comme ça!
Frérot, Bassem, je voulais réagir sur un sujet, frère. Sur quel Allô? Sujet? Je voulais parler un peu de... Est-ce que la Shira, tu connais la Shira? Allez. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim. Allô? 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 Ouais, salam, frérot. Ouais, ça va! Crie pas! Crie pas! Il m'a explosé les oreilles! Bien encore! Allez, barre-toi! Allez! Allô? Allô, c'est Makoum. Makoum Salem? Ouais, ça serait pour réagir par rapport à l'angoisse. Ouais, bah réagis, putain! Ouais, du coup, ouais, c'était pour te dire, en gros, t'es moi, c'est une anecdote que je voulais vous raconter. Vite fait, je me mets. Ouais, en gros, c'était pour te raconter une anecdote, moi, qui m'est arrivée. T'es, j'ai 22 ans. Ça m'est arrivé quand j'étais au lycée, t'es, quand j'avais 16 ans. En gros, t'es, j'étais au lycée avec mes sahabs et tout. Et t'es, on était à l'internat, t'es, le délire. En gros, on était à l'internat tous ensemble. Et en gros, ce qui s'est passé, t'es, il y avait des meufs, elles jouaient, t'es, avec les genoux. T'es, en gros, sur les vidéos YouTube. T'es, en gros, à l'époque, c'était la mode. Sur YouTube, t'es, il y avait plein de... T'es, les stylos, en gros. Ouais, oui, c'est vrai qu'à une certaine époque, tu sais, il y avait des jeux bizarres, les esprits voilà, et tout, tu sais, des trucs de fils de pute, ouais, ouais, ouais. Ouais, ah, des okay. Fils de pute. Et bref, t'es, moi, je te mens pas, t'es, j'ai toujours eu peur, t'es, de ça, t'es. En gros, ce qui se passait, c'est que, t'es, moi, je voulais pas trop jouer à ça. Mais mes sahabs, ils me disaient, ouais, vas-y, venez, on fait. À l'internat, ça fait, ils ont fait. Ils ont commencé à jouer à ça. Du coup, ils me disent, en gros, vas-y, on va jouer. Je leur dis, ouais, moi, nique sa mère, je ne joue pas à ces trucs, surtout je suis à l'internat, je ne suis pas chez moi, nique sa mère. Bref, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à jouer, ils commencent à jouer à ce délire. Ils commencent à jouer, ils me disent, vas-y, mets-toi un peu loin, tu filmes. Zahma, tu filmes ce qui se passe. Allô, tu m'entends? Ouais, bien sûr. Ouais, du coup, ils me disent de filmer ce qui se passe. Au début, j'étais un peu réticent. Tu connais, t'es dans la plainte de l'internat avec tes sahabs. Tout le monde te chauffe. Tu commences à jouer, t'es avec eux. Ça fait, je commence à me mettre dans le coin, je les filme. C'est pas, ils jouent vite fait, ils commencent à jouer, pam, 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 pam. Le mec, esprit, ils commencent à se mettre tous en rond au milieu d'une chambre. Peut-être c'était des chambres de quatre. Il commence à jouer au milieu d'une chambre, il commence à faire des trucs bizarres, t'es esprit, tout là, ils mettent des petites lumières, ils éteignent toutes les lumières de la chambre, ils mettent les lumières de leur téléphone flash, ils les filment. C'est pas, je vois, wallah, Bassem, hein, je te mens pas, hein. Wallah, je suis pas menteur. Je vois une porte en mode la porte d'un placard, t'es les placards des internats, t'es les placards bizarres, là. Bah, la porte, elle s'ouvre. J'étais plein, je me barre, j'arrête. Mais tu sais quoi? Mais moi, en vrai, je serais curieux. J'ai envie d'essayer. On sait que c'est du shirk. Mais je veux essayer juste pour voir. Imagine-toi. Non, mais attends, frérot. On donne rendez-vous à des frérots. Des frérots de la TH. On va dans une salle. On appelle les esprits. On s'embrouille avec eux. Viens! La fille de ma mère, on est là! Venez! Wallah, juste pour voir si les tables bougent, si les placards s'ouvrent. Je serais curieux de le voir, ça, moi. Wallah, écoute, Bassem, je ressens mon paf, moi. T'es, wallah, je peux mentir, je vais tout te raconter. T'es, tout va rentrer dans l'ordre. Bref, je commence, tac, tac, tac. Le truc, elle bouge. Je leur dis, moi, c'est bon, je me barre. Allez vous faire enculer, je vous place ça. T'es, moi, déjà, j'étais à l'écart. J'étais pas au milieu de leur rond bizarre. Wallah. Bref, t'es, tout le monde savait autour du jeu. On était à peu près 5-6, t'es. Tout le monde savait que moi, t'es, c'était une de mes plus grandes phobies. T'es, j'ai peur du monde de l'invisible. Voilà. Après, faut pas en avoir peur, mais t'es, moi, je suis réticent envers ça. Et bref, il commence à jouer machin, nanani. Il me dit, vas-y, barre-toi, si tu veux te barrer, barre-toi, nanani, nanani, je me barre. Je commence à dépanner. Il rejoue, bizarrement, quand je suis pas là. Il me dit, ah, comme par hasard, il s'est rien passé. C'est toi, t'as fait exprès d'ouvrir la porte, parce que la porte, elle s'est ouverte vers moi. T'es. T'es plein, je me dis, oh, comment la porte elle s'ouvre vers mon haut. Vas-y, c'est un coup, j'ai bougé quelque chose. T'es, tu rentres dans un délire bizarre. T'es.
je commence à psychose. Je me dis, en vrai, ils sont tous genounés. Et ils sont tous genounés. Là, je vais déplaner. Voilà. Ils commencent à rejouer, machin, là, là, je... J'entends un petit bruit, mais je me dis, oh, c'est quelqu'un, t'es là. En gros, je rentre dans la pièce. Ils refont, je le refilme. Et je vois, t'es un petit bruit. Je déplane. Je déplane. Et après, juste après, ils recommencent à jouer. Oh, voilà, Bassem, j'étais derrière une fenêtre. Wallah, wallah, j'entends un grand bruit, ça m'a un bizarre, t'es. Oh, j'étais plein, wallah, t'es. Toute ma vie, je me suis dit, t'es, un truc comme ça, ça arrive. Je vais courir en bombe, t'es, je vais courir, je vais chasser en bombe. Je vais me barrer. Oh, wallah, Bassem, mon sang, il était glacé. J'arrivais même pas à bouger. T'es à bouger, j'arrivais même pas. Oh, je marchais tout doucement. Je suis parti dans une autre chambre, je me suis dit, oh, là, t'es quoi? Je vais rappeler mes parents, je vais rafasser ce qui. J'étais dans une école, un internat à 2 heures de chez moi. Je me suis dit, je vais appeler mes parents, ils vont venir me chercher là. Je vais pas dormir dans tu me fais penser, tu me fais penser à qui, frère? Tu me fais penser à un épisode des Lascars. Vous vous rappelez les Lascars? La saison 1, quand l'autre il fume leur nave avec son frère, quand il lui dit « Ah, il fume, ton petit frère ?» Ouais, il fume. Et il commence à fumer, il taffe et il a un mauvais plan, il vomit dans la salle de bain. Oh putain ! Tu sais, vous vous rappelez de cet épisode ? Et tu m'as fait penser à ça, wallah. Wallah, Bassem, wallah, wallah, wallah. T'es, je déplane et tout, wallah, t'es, ils ont joué à des trucs bizarres. Et dans la chambre où je dors. Et dans la chambre où je dors, ils ont joué à des trucs de genoux. Impossible, ils ont dormi. Oh, par là, Bassem, tu sais, je me retrouve à faire quoi? Je me dis, ça m'a fait, je vais pas te déplacer ma mère, t'es, elle travaille toute la semaine. Je vais pas la faire déplacer jusqu'à l'école, t'es. Sachant que mon école, elle était loin, t'es. C'est pour ça que j'étais en internat. T'es plein, je me dis, ah, je vais pas te faire déplacer la daronne. Bref, je me dis, oh, vas-y, tu sais quoi? Je vais aller sur Internet, Google. Je vais trouver le numéro d'un imam, t'es. Je suis de confession musulmane, et je vais trouver le numéro d'un imam, je vais lui expliquer la situation, et ça va me donner les réponses, t'es. Les pages jaunes, t'es. Wallah, Bassem, j'appelle un imam, wallah. Et c'est là où tu vois que, t'es, c'est pas des. T'es, c'est pas des zinzins, wallah. C'est il me dit quoi? Il me dit, écoute, t'es, tout ça là, tout ça, ça existe pas. T'es, wallah, moi j'étais persuadé, Bassem, que ça existait, que t'es, tu pouvais jouer comme ça, comme les vidéos de fil de pute que les gens font. Wallah, Bassem, j'ai appelé un imam. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, moi je te le dis, t'es, c'est tes amis qui te font un faux coup. Ça, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que tu fais. C'est pas ça. Voilà, il y en a, il a dit, il doit être fort, lui. Ça me fait rappeler. Ça fait. Là, j'ai raccroché sans faire exprès, frère. Wallah, Aladdin. Bon, t'étais un peu lourd, mais j'ai raccroché sans faire exprès. Wallah. Ouais, ça me fait penser à vous. Vous rappelez? Ouais, moi j'ai être fort. Oui. Oh putain, allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, tranquille? Impeccable, et toi? Ouais, vas-y, je t'écoute. Bien, bien. Ouais. Ouais, ouais. Non, voilà. Pour ça que j'ai des fois, je raccroche vite. Allô? Allô? Allô, salam. Allô, salam. Voilà. Là, le mec, il est en train de regarder l'écran. Tu vois? Tiens, je lui parle au téléphone. Mais il regarde l'écran, salam. C'est pour ça que tu vois un petit blanc. Ouais, frérot, je t'écoute. Non, je voulais te demander si t'es un grand connaisseur de ballon ou quoi? Allô? De ballon ou quoi? Lui aussi. Allô? Bon. Allô? Maïkoum. Alaykoum salam. Ça va, frérot? Bien, et toi? Alhamdoulilah. Frérot, t'as vu, c'est jeudi de l'angoisse, je vais te parler d'un petit truc. Je t'écoute. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi ou à quelqu'un de la room ou quoi, t'as vu? Mais moi, ça m'est arrivé, c'est bizarre un petit peu 2-3 fois. Ça fait, s'il y en a, ils ont déjà vécu ça, ou même toi, t'es, tu me dis ce que c'est, si toi, tu sais ou quoi. T'as vu, je dormais. Je dormais tranquillement et en plein milieu de la nuit, t'es, je me sens réveillé. Et je sens que je suis réveillé, mais je peux pas jacter.
T'as la paralysie du sommeil, frérot. Et attends, ouais, moi, ça m'a dit ça au début. Et à un moment, t'es, je sens que ça me tire. Où ça te tire ? Ça me tire par les pieds. D'accord. Et je peux pas j'acte. Même Shahed, frérot, j'arrivais pas à Shahed. Et je sais pas, cher bizarre, ça m'a angoissé. Ça m'a fait ça pendant une semaine. Après, c'est parti. Ça venait tous les quatre mois. Ouais, ça le faisait pas toutes les nuits, tu vois. Mais en gros, plus j'y pensais, plus ça le faisait. T'es, parce que j'avais un petit stress avant de dormir. Ah, t'avais toujours le stress que ça revienne, en fait. C'est ça. Et mais vraiment, frérot, j'ai senti, ça m'a tiré. Et en fait, quand après j'ai réussi à me réveiller, entre guillemets, vraiment en jactant et tout, et bah après j'ai vu qu'en fait ça m'avait pas tiré du tout, j'avais pas bougé d'un poil. Mais la sensation, je l'avais vraiment. Et comment tu le vis maintenant? C'est-à-dire, tu fais quoi? Tu récites avant que tu dors? Ouais, je récite. Je récite quand je m'endors pas sans réciter. Et c'est très important. Mais quand des fois j'oublie, frérot, je te manœuvre pas. Ça le fait quand même. Et là, ça m'a plus tiré, tu vois. Mais là, il y a quoi peut-être un mois et demi ou deux, j'ai senti ça. Quand j'oublie. Est-ce qu'ils ont dit à essayer de voir ce qu'ils ont dit? Attends, quand j'oublie, je sais quand on oublie. Généralement, on oublie de faire ses invocations avant de dormir quand on se bagnette. Donc... Ah putain, non, vous êtes fous. Arrêtez vos conneries là. Ah la vache. Non, putain. C'est pas ça. Ah putain. Je me bagnette avant de me doucher, frérot. Normal. Normal, frère. Oh putain. Non, mais t'as compris, quand je mets Netflix, t'es sur la tablette ou quoi. Ouais, normal, frère. Normal, entre nous, y'a pas de hachement, Franjo. Normal, frérot. Voilà. Non, normal, sur une jambe. Non, mais tu vois, la sensation, oxomobilet, moi je t'ai dit, il y a deux semaines, en faisant une sieste. Moi, j'ai un défaut, c'est que si à 17h, je suis chez moi, je dors. Vers 17h. Ouais. Non, voilà, vers 17h. Moi, mon coup de barre de la journée, il est là. À 17h, je fume 3 touffes, je regarde un reportage animalier, je dors. Et la dernière fois, frère, c'était violent. J'ai cru que j'allais faire un saut périlleux. Tellement t'as je sentais qu'il me soulevait. T'es endormi d'un coup. C'était la sieste, frère, de Starfall. Non, c'est jamais ça. Non, ce que je dis, ça craint. Ce que je dis, ça craint. Mais t'as vu, psychologiquement, tu dis, c'est pas la peine, c'est la sieste. Qu'Allah nous pardonne. Moi, je dis la vérité, qu'Allah nous pardonne. Zahma, vu que c'est la sieste, on n'y pense pas. On y pense le soir, tu vois ce que je veux dire? Mais la sieste, c'est vrai, c'est finalement la sieste, tu sais pas que tu dors. Tu sais, quand tu fais une sieste, tu te mets pas en mode couverture, la couverture entre les genoux. Ouais, voilà. Non, la sieste, tu te fais partir. Donc c'est pour ça que t'oublies. Voilà, tu me fais dire n'importe quoi. Il y en a, il a dit un mot d'absence. Starfallah, là. Ah, vous êtes des malades. Vous êtes des malades mentales. Bon, tranquille, frérot, Inch'Allah, rire. Passe le CLM au Franjo qui est avec toi. Oh. Oh, putain. Ferme-la, toi. Allô? Ouais, Bassem. Ouais, CLM, frérot. Akoum CLM. Wallah, tu sais quoi? Wallah, je rate ta radio en direct. C'est pas, j'entends un bruit là en haut de la mèze, parce que j'ai un duplex. J'entends. Ouais. Je sais quoi, ça, Zabbi? Wallah, je montais la machine pour les yep là, pour gratter les pieds. Et wallah, c'est mis en route toute seule. La machine pour gratter les pieds? Ouais, la machine pour, tu sais, pour enlever la peau morte.
Hein? Moi, je sais pas. Moi, je mets pas ça. J'ai pas de machine. Oh, ouais. Voilà. Non. Ah, carabine, c'est bien route tout seul. Oh là, moi, je vais éteindre le live. Oh là. Soprano. Attends, viens voir, viens voir. Attends, viens voir. Tu habites seul à la maison? Hein? Non, non, je suis à la messe, ma chère. Wallah, je suis avec l'Amra, je suis avec les enfants. Ah, c'est l'Amra qui utilise ça, là. Ouais, ah, elle était là. Non, elle était branchée, elle était branchée. Mais non, c'est un truc à pile. Hakarbi, elle était sous le. Elle était sous l'évier. Starfall. Wallah, wallah, j'entends. On dit, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est un coup, il y a un aspirateur en marche, je sais pas quoi, ma chère. Wallah, je monte. La machine, elle était toute seule, genre. T'es en train de marcher toute seule. Non, mais ça, moi, c'est une machine à café qui m'a fait ça un jour. Et wallahi, je vois, elle est en train de. Parce que dans cette machine-là, t'es obligé d'appuyer sur un bouton pour qu'elle marche. Voilà, power. Voilà, exactement, ouais, power. Incroyable. Wallah. Jette-la, cette machine de fils de pute. Ça y est, je vais la jeter. Jette-la, wallah. Je vais la jeter. Je vais jeter la télé et la fibre orange. Ça, non, fait, pourquoi? Non, non, oh, jette-la, cette machine bizarre, là. Une machine strange comme ça, là. Wallah, frérot, elle est bizarre. En tout cas, ça m'a fait bien rire. Frérot, bah, frérot merci de ton intervention. Prends soin de toi. Wassalam alaikum, frérot. Ah. Allô? Salam alaikum, oui. Ah, putain. Allô? Allô? Allô, Salem? Salem, frérot. Salem, ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, frérot. Impeccable, je t'écoute, frère. Ouais, c'est le jeudi de l'angoisse, hein? Ouais, un peu, ouais. Ouais, je vais te raconter une petite angoisse qui m'est arrivée en 2007. Bon, allez, envoie la sauce. Ouais, j'avais 23 piges à l'époque. Mmh. Et, t'es, je dormais avec une meuf et tout. T'es, c'était pas ma mère, hein? Ouais. Et ouais, t'es, je dormais avec elle, t'as compris, on faisait nos petites affaires et tout. Et t'es, c'était l'époque, t'es 2007 et tout, t'as compris, même les maillots de l'OL, Novotel, tu vois le plan. À l'époque, ouais. Ouais, c'est pas, j'ai une hallucination et tout, pendant que la meuf allait sur moi, je vois pas Sidney Govou sur moi. Mais va savoir le genre de rat comme toi s'ils n'étaient pas avec des Sidney Govou pour de vrai. Wallah, tu sais pas la tête. Vous vous rappelez dans Scream ou dans Scary Movie, quand l'autre il fait l'amour avec une meuf, et plus il fait l'amour avec elle, et plus il l'habille en joueur de foot. Il est excité, il lui met un maillot, et elle comprend pas, il lui met le casque après. C'est dans Scream ou Scary Movie, je me rappelle plus. Allô? Allô? Ouais, salam frérot. Salam frérot. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, alors je sais que j'ai dit de l'angoisse, mais j'aimerais te parler d'un autre sujet, s'il te plaît. Ouais, je t'écoute. En fait, il y a ma cousine, je sais pas si t'as capté, tu vois, à Twitter. Et elle parle avec des mecs et tout. Elle parle des trucs chauds, t'as vu? Et à ma cable de Twitter, moi je sais que tu vois, elle parle avec des mecs et tout, elle sort avec des Renois et tout. Elle sort avec des Renois? Ouais, avec des Renois, elle parle. Ouais, elle parle avec des Renois, ouais. Sale fils ouais. De pute. 07 83 67 oui. 07 79. Il vient de raccrocher ce fils de pute. Sale fils de pute. 07 83 67 07 79. Sale merde. Tiens, voilà. Tu vas assumer maintenant. Allô? Allô? Ouais, allô, Bassem. Ça va ou quoi? Allô, Salem. Bien et toi? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'écoute. Ouais, je voulais te parler de la ville de Metz. Wallah, excusez-moi, c'est de ma faute, j'ai pas préparé mes émissions. Wallah l'adim, c'est... Allô? Salam, ça va ou quoi? Salam, ça va et toi? Ouais, tranquille, j'avais une question. On est beaucoup dans la room là. Pourquoi tu n'actives pas le super chat?
C'est quoi le super chat? Sur YouTube, le super chat. Il sert à quoi le super Pourquoi chat? Je n'active pas. Pour faire des donations tous les soirs. À qui? À toi. Mais des donations à qui? À toi, des donations. Ah non? Bah non. Pourquoi? Non, non, non. On donne pour les Pourquoi gens. Tu actives membre, on donne 5 € par mois. Et super chat, on peut pas. Mais les super chats, c'est par rapport. Alors, 5 € par mois, déjà, ça, c'est pour la radio. Moi, je ne touche en rien. Parce que tout ce que tu vois, là, tous les montages, tout ce que tu vois, c'est payant. Toutes les musiques qu'on passe, c'est payant. Tous ouais, les AirPods qui écoute, sont là, c'est payant. J'arrive pas à suivre. Eh ben, le super chat, ça sera pour la radio aussi, tu vois, pour te soutenir. Non, c'est ça que je veux dire. Non, super chat, c'est des donations. Là, on donne pas, on participe à la radio. On donne pas. Okay. On donne pas. Si on veut donner, on se mobilise, frère. On ne donne rien, et toi, moi. Qassam Abilesh Allah, je meurs d'un cancer. Si je touche voilà, un euro. Comme ça, tu redistribues pour la communauté. Pour non, mais besoin, quand elle en a besoin. Quand elle en a besoin, ouais. La communauté, on va pas inventer des phases de communication. De... Wallah, la dit, frère. Vas-y, je comprends, pas de soucis, frère. Non, mais c'est super important. Mais le super chat, je connais pas. Mais les donations, frère, c'est pas comme ça. C'est pas un mode jeu. C'est pas. Non. Les gens, ils veulent participer à la radio, à l'extension de la radio. Ben, il y a des abonnements. Des abonnements, ça, c'est 5 €, tu participes à ce ouais, que la radio change. La tête de ma grand-mère. La tête de ma grand-mère, tout ce que tu vois, que tous les néons. Tu fais des pubs bizarres, là, pour des gens bizarres. Quelle pub bizarre, frère? Ah, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, tu vois. Mais lesquelles? Les trucs... Je comprends pas beaucoup. Sur le casino. Mais moi, je suis, je le pratique, la bourse. Par Allah, je la pratique, je connais. Avant, je connais ça. Il y a beaucoup d'escrocs là-dedans. Mais ça fait un an. Les gens-là, moi, je les connais, je parle avec... Wallah al-Azim, je pratique. Ok. Je pratique, moi. Okay. Ouais, je suis pas là pour... Je suis pas là pour... sur Snapchat ou quoi, où ils escroquent les gens, tu vois. C'est pas mon problème. Nous, on n'est pas concernés, frère. Mmh, et que le premier vient me dire ça. Hein. Ouais, c'est super important, ça, frérot. Merci Vas-y, beaucoup de ton intervention. Vas-y, fait, prends soin de toi. Hamdoulay, je tenais à dire une chose, c'est super important. Et c'est là où je dis Allah est tout, il m'aime. Pendant 2 mois, on était en travaux. Et pendant 2 mois, je paniquais, je transpirais. Vous savez pourquoi je transpirais? En ouvrant mes messages, je transpirais. Je me disais, Ya Rabbil Alamin, qu'il n'y a pas un dossier TH qui tombe maintenant, qu'on doit aider des gens. Ya Rabbi, sépare-moi ça et ça. Alhamdoulilah. T'imagines? On aurait aidé des gens, même si on est clair. Tu sais, les gens, les fils de pute qui jactent. Oh, en même temps, comment ça se fait que... Après, vous nous dites pourquoi on ne doit pas compter, mais on compte jusqu'au dernier cent. Non seulement pour vous la mettre dans le cul, et en plus, parce qu'on est obligé. Donc je me suis dit, mélangeons pas. Tout s'est passé comme prévu. On a fini. Alhamdoulilah, ya rabbil alamin. Voilà, bien. Ah, bien sûr. En attendant, je crois qu'il y en a un ou deux. Ils parlaient beaucoup de ça par rapport à moi, alors qu'on vient de découvrir qu'eux le sont depuis longtemps. Sale fils de pute de ta mère la pute. On sait qui t'es depuis longtemps. Mais toi, tu te montres pas. T'es un fils de pute. Mais regarde comment la roue, elle tourne. Eh ouais. Ils vont te bouler hein, dans pas trop longtemps, hein, je tiens à te dire. Hein. Au moins, je te préviens. Donc, fuis, vite. Fuis dans ton pays que tu revendiques tant, là. Allô? Allô, frérot? Ouais, je t'écoute, mon frère. Bien, et toi? Ouais, frère, moi, je suis là, je te raconte une histoire. Ouais, je t'écoute. Tu m'entends? Ouais. Ouais, écoute, moi, j'étais jeune. Alors... C'est passé qu'en 2010, on va dire. Wallah, c'est... Écoute. Pour le sommet d'angoisse, alors, moi... J'étais dans une ville, tu vois.
une ville, un endroit, tu vois, ça ramasse un peu de doigts, c'est un peu, tu vois, un peu la campagne, tu vois comment? Wallah que c'est riche, tu dis. Alors moi, j'étais chez ma grand-mère, tu vois, on était deux, et c'était à l'époque que j'avais pas Internet, j'avais pas tout ça, tu vois. Ah ouais, en fait, attends, ouais, ce que tu me dis, ouais, bref, alors attends. Il y a le corps d'un monsieur qui a été retrouvé à Saint-Exupéry. Vous avez vu le Hajj qu'on a partagé? On n'avait plus de nouvelles de lui pendant 3 mois. Wallah, il était à l'aéroport. Saint-Exupéry, eh ouais, son corps, on a retrouvé son corps. Miskin, Rayahmou, miskin. Miskin, miskin. Ouais, frérot, donc toi encore? Ouais, mais du coup, écoute, c'était comme minuit, tout ça. Moi, je m'en vais dormir. Je m'en vais dormir avec ma grand-mère. Écoute, hein. Wallah, écoute bien. Écoute bien. Moi, je dors. Je dors, je dors, je dors, je m'apprête à dormir. J'entends une porte s'ouvrir, la porte du bain. Je dis à ma grand-mère, je lui dis... Non, alors attends, eh ben LG Pro, je parle pas de Marcus Dien. Hein. Je parle pas de lui, je parle pas de ce bâtard là. Non, 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 non. Lui, à la rigueur, c'est un swag, c'est de très bonne guerre. Hein. Moi, j'aime ça. Hein. Lui, à la rigueur, voilà, il n'y a aucun problème. Il fait ce qu'il fait. Hein. Quand je dis un bâtard, on se comprend, hein, c'est pas un manque de respect, c'est voilà, c'est une expression. Non, c'est pas lui dont je parle, hein. On sait. T'inquiète, bientôt toi. Oulala, oulala. Eh ouais, eh ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent là? Et vous, et vous là, commencez pas, faites pas la queue. Venez pas me voir, hein. Oh wallah, Bassem, on n'aurait jamais dû écouter. Oh wallah, wallah, vous êtes comme lui, des fils de pute. Classe, voilà. C'est tout! C'est tout! J'ai que ça à dire. Voilà. Et comme on dirait souvent l'autre, hein, je vous vois venir, hein, on finit toujours par rentrer à la maison. Hein. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, bah oui. Eh oui. Eh oui. Eh ouais, bien sûr. Allô? Allô? Allô, Selem? Selem, ça va ou quoi? Ça va bien, et toi? Alhamdoulilah. Moi, je voulais te parler d'un sujet... pas du sujet de l'angoisse, mais ça à propos de la génération, en fait. Je t'écoute, mon ami. En fait, je pense que, en fait, les générations, au fil du temps, elles se dégradent, elles se perdent, elles se pervertissent. Et ici, on le voit un petit peu en France, les Maghrébins d'il y a 50 ans et les Maghrébins d'il y a maintenant, c'est absolument pas la même chose, tu vois. Et je pense que c'est propre à toutes les communautés, tu vois. Au fil du temps, on se perd. Et à vouloir devenir trop français, on oublie un petit peu... Mais qu'est-ce que ça veut dire, être trop français? Être trop français? Mais qu'est-ce que ça veut dire, être trop français? C'est... Comment dire? C'est devenir comme les Français. Avoir les mêmes mœurs, avoir les mêmes... Mais ouais, mais le mode de vie des Français, je comprends pas. Moi, il faut pas tout mélanger, frérot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir forcément des mœurs bizarres. Et il y a des Français, ils ont de très bonnes mœurs, frère. Meilleurs que nous. Non. Et voilà, je pense qu'il faut arrêter avec ça. C'était à l'époque, ça. Ça a vachement bien changé maintenant. Ils se sont largement améliorés. Nous, on s'est empirés, frérot. Donc, soyons polis avec eux. C'est nos frères blancs. Il faut arrêter de dire comme les Gouers, comme les Français, comme les Français. Il y a des Français, c'est des hommes. Et la plupart le sont. Pendant les guerres, ils l'ont prouvé. Pendant... Non, non. Je ne suis pas d'accord avec non, ça. Non. Voilà. Allez, tu ne m'intéresses pas en plus, toi. Allô? Exactement. On n'est pas francisé, on s'est américanisé plutôt. Ah, allô? Allô. Ouais, Salem. Ouais. Salem, ça va, Salem? Ça va et toi? Ouais, merci. Bah, Salem, Ah, protéine? Eh ouais, ah, ouais. Qu'est-ce qu'il dit, mon poteau? Ça va, ça protéine, bien ou bien? Ouais, ça va et vous? Bah, impeccable. Vas-y, frérot. Monde, allez, je t'écoute. Oui, te proposer juste pour les deux sujets, soit sur le jeu de l'angoisse, ou sinon ce que t'as mis tout à l'heure sur Snap au niveau du missile iranien qui a touché un bateau israélien. Un bateau israélien, ouais, on en reparlera ça plus demain. D'accord. Vas-y frérot, donc. Ok, ouais, bah, c'était juste moi pour te dire que j'avais fait une rencontre en fait il y a quelques temps, et donc c'était une femme qui habitait toute seule.
Et j'avais rencontré, c'était bien passé. Le premier rendez-vous, j'ai rencontré au resto. Et deuxième rendez-vous, elle a voulu qu'on se voit chez elle. Donc, je suis arrivé. Donc, normal, salut, ça va, tranquille. Et en fait, j'ai remarqué que son regard, il n'était pas pareil que la première fois. C'est au niveau des yeux, c'était noir, alors qu'à la base, elle avait les yeux très clairs. Bon, je ne sais pas ce qu'il y avait. Et donc, après, on a commencé à parler tranquille, et elle est partie dans la cuisine, et elle parlait. Je croyais qu'elle me parlait au début. En fait, elle parlait toute seule. En fait, je regardais, elle parlait. Elle parlait, après, je me retourne, je lui dis, mais tu parles à qui? Elle fait, non, mais juste... Je pensais un truc. J'en ai connu une, moi c'est comme ça. Ouais. Les yeux de ma mère, je l'ai vue parler toute seule dans une chambre, je me suis barré. Par Allah, mon frère, c'est la même chose, son regard avait changé. Starfallah, ouais, poupée verte aux aiguilles vertes. Et c'est pas fini. Genre, en fait, après, genre, non, mais ça, déjà, bon, j'ai fait, déjà, il y avait un problème. Bon, j'avais dit qu'il y avait un problème. Mais voilà, c'était chaud. Et après, genre, à un moment, elle a rigolé. Et tu sais ce qu'elle a dit, mais ça, hein, je te parle ça, genre là, elle a dit, mais de toute façon, ce soir, il me baisera pas. T'inquiète pas. Wallah, j'ai fait, non, mais c'est quoi ça? Et je la regardais, en plus, elle rigolait, elle parlait, finalement, ce soir, il me baisera pas, t'inquiète pas. J'ai des sueurs froides. Après, je la regarde de loin, je fais, bon, comment je vais faire pour partir? J'avais déjà pris, tu vois, j'ai déjà commencé. Et après, elle arrive, elle me fait, tiens, et tout, je te fais à manger. J'ai dit, voilà, je touche à rien. Dans ma tête, je lui dis, je touche à rien. Une fois votre message enregistré. Alors, attends. Attends, allô? Ouais. Attends, j'essaye de joindre... Ouais, donc, et alors toi, tu t'es séparé comment? Tu es resté avec elle, toi, un peu? Moi, je me barre direct. Alors, je me suis barré direct. Hein. Ah non, ouais, moi, je rigole pas avec ça. Parce qu'en fait, elle m'avait quoi pour tout dire, Bassem, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, en fait, son ex, si tu préfères, il s'était barré à cause de ça. Il avait dormi chez elle, en fait, les premières fois, sauf que la nuit, il se prenait des coups. Il dormait avec elle. Mais frère, il mettait des coups. Frère, ces femmes-là, elles sont tellement dangereuses que ton ZAL, tu vois ton ZAL là, elle le récupère. Quand elle te dit, vas-y, envoie tout sur moi. En vrai, elle veut le stocker. En vrai, elle veut le stocker pour te faire des choses méchants, bizarres et tout avec, frère. Quand elle te dit, viens, je te lave tes caleçons sales. Nique ta mère, touche pas à mes calbars. Barre-toi. C'est quoi cette femme qui est venue le premier jour? Elle veut faire le ménage chez moi. Zarmal me dit, je te fais une machine. Touche pas à mes affaires. Frappe ta mams. Ouais, c'est des sorcières, celles-là, frère. C'est des grosses sorcières. Il faut vachement faire gaffe. Je sais. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle m'avait servi à manger. Donc, ça veut dire, moi, j'ai fait blanchi. J'ai fait, attends, juste, j'attends un peu. Parce que j'ai fait Zarma, j'ai fait du sel, j'ai pris ma protéine. Enfin, tu sais, je suis sorti un vice, quoi, tu vois. J'ai dit, attends un peu et tout. Et genre, à un moment, je lui dis, ouais, mais tu parles toute seule. C'est quoi le problème? C'est non, mais en fait, il faut que je te dise, je suis possédé. Elle m'a mis ça normal sur la table. Elle me dit, écoute, je fais des Rokia. Pour l'instant, ça ne marche pas. Mais elle me fait, ouais, je suis possédé. Et je lui dis, bah tiens, j'ai une Rokia sur le tube qui marche bien. Écoute bien, Bassem. Je commence à sortir le téléphone. Je commence à vouloir lui mettre. Elle s'est figée. Les yeux, ils ne bougeaient plus. Et son regard, il était noir. Je commence à mettre. Je lui parlais, elle me répondait même plus. Pendant 20 secondes, elle me répondait plus. Regarde si j'ai devant moi. Elle bougeait plus. Et après, tu vois, elle a repris conscience. Elle a dit, enlève. Non, t'es fou. Ils sont pas d'accord. J'ai dit, qui ils sont pas d'accord? Elle me dit, dans ma tête, ils me disent, ils sont pas d'accord. Voilà, j'ai pété. Normal, elle parlait comme ça. Ouais, moi, je serais pas resté avec... Non, je me suis levé, j'ai dit, excuse-moi. Tu me dis, moi je peux pas rester là. Voilà, je peux pas supporter. Je suis pas une baltringue, mais je sais pas ce que tu es capable de faire. Je sais pas ce qu'ils sont capables de faire à doubler. J'ai dit, c'était quoi, je préfère partir. Elle m'a dit, non, je sors. Il était 2h du mat. Je regardais derrière moi tous les 3 mètres. C'est pas pour faire blani. On sait jamais, frérot. Après ça. Mais t'as passé une nuit avec elle? Non. Juste une soirée. C'est tout. Je suis parti à 2h du mat. Je voulais pas rester. Ça quittait le navire direct. Mais quand t'es venu chez elle, t'as senti une atmosphère bizarre ou un truc?
Bah, en fait, tu préfères, c'était, pour tout dire, c'était alors attends, sombre. Alors attends, ouais. Frérot, fusil à pompe, ouais. Wallah, fusil à pompe. Quand tu dis, il a pas l'air de mytho, le mec, ça veut pas dire qu'à moi ça m'est arrivé qu'on m'étonne pas, mais la tête de ma grand-mère, la sensation qui parle, le frère, moi je l'ai vécu en direct. Une femme, je l'ai vue, j'allais aux toilettes, elle était dans sa chambre, la porte, elle était entrouverte. Oxomobile, toute ma vie, je m'en rappellerai, parce qu'elle était devant le miroir, elle parlait à son miroir en disant, quand elle parlait à son miroir, elle parlait au pluriel. Elle disait, c'est bon, vous inquiétez pas, il est venu, hop, il est venu, vous inquiétez pas, il est venu. Et moi, dès que j'ai entendu ça, je commence à pisser à côté. La vie de teuteux, je suis tombé sur une sorcière verte. Wallah, vous inquiétez pas, la tête de ma mère. Bah je suis voilà, sorti des toilettes. Je me suis même pas lavé les mains. Je me suis même pas lavé les mains. J'avais de la pisse, je suis sorti de l'appartement. Mais où tu vas? Mais moi, j'ai été plus à un nanny. Nique ta grand-mère, je vais t'enculer. Hop, elle m'a fait flipper. Oh, je l'ai vue, fallait voir ouais. Comme elle s'est transformée devant son miroir. On dirait qu'elle parlait à plein de gens. Oh là là, ouais, j'ai dit, je vais finir dans une marmite avec de l'oignon, des carottes. Je me suis dit, vas-y, oulala. Je me suis barré. Ouais, moi, ça m'est arrivé. Hein. Et non, franchement, ouais, frère, non, ouais, ça fait flipper. Non, ça non. Fait flipper. Ça fait flipper, bah, c'est moi là, parce que tu te dis, c'est une fille. Mais, et le pire, c'est que chez elle, tu vois, c'était un peu sombre. En plus, elle était toute queuse. Elle me disait, ça fait 2-3 semaines, un mois, j'arrive plus à manger. Elle avait perdu tout le style. C'est, voilà, c'est des yeux creusés, le regard. Voilà, elle était. Mais elle est. Tous les critères. Elle sortait plus de chez elle. Tu vois, elle était renfermée de ouf. Moi, j'ai su qu'elle était bizarre. C'est quand elle m'a proposé un jus de goyave. Jus de papaye, goyave, des fruits bizarres, avec des pics. Elle avait des fleurs bizarres chez elle. Un cactus. Elle avait un cactus chez elle. C'est un cactus. Il fout chez toi. Elle avait un cactus. Elle était. Wallah! Quand je la regardais, elle était bizarre, elle était strange. Tu avais des tigres, des lions, des statues partout chez elle. Jumanji, cette pute, quoi. Et je l'ai vue parler au miroir. Non, frère, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu peur. Wallah, j'ai eu peur. Voilà, ça fait flipper. Voilà, ça fait flipper. C'est que, en fait, je préfère, même avec un rapport de force, tu peux te mettre à la hagra normale. Hein. Parce que c'est super puissant les genoux en fait, hein, quand c'est par l'intermédiaire d'une personne. C'est une force de ouf. Hein. À mort. Voilà, à mort, vrai. Mais. Voilà, c'est vrai. Ouais, mais il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Ouais, il y en a, elles adorent ça. Moi, je te le dis, pour garder un homme, elles sont capables de faire tout. Attention, pousse-toi de devant. Elles sont capables de faire des choses de malade mental. Bon, frère, faut qu'on s'éloigne, hein, ces femmes-là, et puis. Je me demande s'il y a des mecs qui pratiquent la sorcellerie pour une femme. Est-ce que ça existe? Faudrait qu'on en parle. Est-ce que ça existe des mecs qui vont voir des femmes bizarres Ouais, il y en a, à mon avis. Quand ils n'arrivent pas à les avoir, soit avec le fric, soit avec la tchatch ou autre chose, et qu'ils sont croques, ils l'ont dans la peau, à mon avis. Il y en a, ils vont faire des bails bizarres. Ça, c'est obligé. Mais par contre, les femmes, quand elles veulent un homme, elles sont très dangereuses. Tu sais quoi ? Moi, il y a une femme un jour qui m'a dit « Wallah, wallah, wallah ». Il y a une femme, elle m'a dit « Bassem, elle m'a pas dit que c'était elle, mais j'ai compris que c'était elle, au téléphone. Hein. » Elle m'a dit « Tellement que ça allait bien avec son mec, tellement que son mec, il était aux petits oignons, il était au top avec elle, eh ben, elle l'a sroré pour qu'il change jamais. Alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. La meuf, elle a anticipé. C'est fou. Dans le sroré, elle anticipe. La vie de ma mère. Mais il n'y a aucune raison pour le sroré. Vu que tout va bien, eh ben, la femme, elle s'est dit, pour pas qu'il change, faut que je fasse un sroré. Un sroré par anticipation. Incroyable. Elle a cru que c'était un joker, elle a cru que c'était une vie. T'as eu les vies dans Mario Bros et tout, cette pute, elle a cru que c'était une vie supplémentaire. Quand tu gagnes, eh ben une vie en plus. Incroyable, mais vrai. Mais ça existe. La meuf, elle est prévoyante. Oulala, je suis trop bien. C'est un coup, il va changer pour une meuf. Faut que
Je la grippe maintenant. Ça craint. C'est chaud. Non, mais en plus, ouais, en mais plus comme tu dis, que Naruto. Dis, mais... Naruto, ouais. Là. Tu dis, l'autre, il dit Bassem. Ouais, Naruto, j'ai tout vécu, mais bien sûr, espèce de sale gamin. Je vais t'expliquer par rapport à quoi j'ai tout vécu. Ah, grâce aux gens comme toi. Les gens comme toi qui me regardent. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils ont... J'ai... Vous venez du même secteur que moi. Donc, ce que tu fais maintenant, moi, je le faisais en 97, sale bâtard. Donc, oui, j'ai tout connu. Niveau banlieusard, j'ai tout connu. Parce que Bassem Tana. Ouais, bien sûr. Ouais, frérot, donc. Ah non, mais c'est... Ouais, non, mais c'est ce que je te dis. Parce que, en fait, ce que... l'histoire que tu me racontes et la mienne, il y a beaucoup de similitudes. Tu vois, et même toi, ça t'est arrivé. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est que tu vas en parler à des gens, ils vont te prendre pour un mytho. Mais ça existe vraiment, ces bails-là. Tu vois ce que je veux dire? Même toi, tu vois, ça t'est arrivé, alors qu'à la base, nous, on va pas vers ça. Tu sais, regarde, il y a un mec, il a maudit son ex. Son ex, elle a divorcé, il l'a maudit. Ouais. Il est parti, il a fait des sacrifices bizarres. Il a... Wallah l'adim. Oh, moi, oh. Je sais qu'il y avait un mec que je connaissais. Il est mort d'un accident de la route. Rien à voir avec... Bon. Ouais. Tellement ce mec... Faut pas parler des morts. Mais tellement... Ouais. J'ai juste envie de te dire une chose. Quand on est parti le voir à la morgue, subhanallah, en fait, il a eu un arrêt cardiaque, tu vois, en ouais. roulant. Mais en roulant, mais à 50 km/h. Ça veut dire qu'il n'a pas fait un grave accident. Il n'était pas du tout, tu vois, amoché. Mais ouais. toute ma vie, je me rappellerai, sa gorge, elle était noire. Ici, c'était tout noir. Tout voilà. noir. Tout noir, moi et un frère, on est parti voir, on était gênés. Tu sais pourquoi on était gênés? Parce qu'on le connaissait. On sait ce qu'il avait dit. Et à cause de ce qu'il avait dit, ce que ça avait engendré. Oh, j'ai dit, et d'autres, et, Wallah al-Azim, quand je te dis noir, c'est pas noir, elle était grise. On dirait qu'il y avait l'hème, la misère. Parce que moi, je suis parti voir un cousin. Bizarre, comme ça. Wallah, je suis parti voir un cousin à la morgue, il souriait. Par Allah, l'expression du visage, elle souriait. Il souriait, lui. L'autre, il était tout noir, là. C'est des gens. Les gens qui ont fait du mal, hein. Les gens qui font du mal. Les gens, c'est... Mais chaud, très très chaud. Bassem, il y avait une sœur qui avait appelé parce qu'il y avait eu à la morgue, il y avait une maman Hachek, qu'elle avait enfoncé un truc dans, je sais pas, tu te rappelles de Avignon? Un soir dans, ouais, oh, ça m'avait choqué ça, frérot. Ouais, elle travaillait avec une sroreuse du quartier à Avignon. Cette sroreuse, elle récoltait les photos des femmes du quartier et elle faisait son sror et elle les donnait à cette femme qui travaillait dans la morgue, qui les mettait dans la bouche des cadavres et qui cousait. Elle était en train de coudre la bouche des cadavres. Et c'est une collègue à elle qui n'a rien à voir avec nous qui la poucave. Le juge, dans le code pénal, il n'y avait pas sorcellerie. Donc, ils lui ont mis acte de barbarie. Et quand ils ont enlevé les photos, il y avait les photos des femmes du quartier là-bas. Tu sais, les jeunes filles, elles sauraient tout le monde. Elles les mettaient dans la bouche des morts. C'est faux, ça. Incroyable. 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 C'est chaud, mais bon, qu'Allah nous en éloigne et nous en préserve, frère. Ah ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, bah, c'était... Traînons pas dans ces trucs-là. Ouais, merci beaucoup, frérot. Merci, protéine, merci, en tout cas, t'es un bon. Ouais. On reviendra pour le sport pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah, frérot. Ouais, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Bah, on en parlera. C'est le malikoum, frérot. C'est un bon, lui. C'est un bon, Akhi Protéine. Ah ouais. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Salam, c'est... Je t'avais raconté l'histoire de Poupilla du Grenoble.
Au Poupia dit Grenoble. Bien, et toi, la baisse? Alhamdoulilah, je viens de raconter une autre histoire. Ah, yeah. Mais c'est une histoire pour le jeu de l'angoisse, du coup. Allez, je t'écoute. En fait, c'est l'histoire d'une femme de ma ville, une skinner de l'Aïchatéa. En fait, tu vois, c'est une femme d'un au top, genre bon travail, bonne position sociale et tout. Ouais. Elle venait dans le jamais, enfin, dans le jamais de ma ville. Et d'un coup, comme ça, elle a commencé à devenir folle. Wallah, elle est genre, elle a quitté son travail. Wallah, elle était folle, elle restait tout le temps enfermée chez elle et tout. Et Zama, du jour au lendemain, elle a sauté genre du quatrième étage, tu vois. C'est vrai? Et Wallah, et personne ne comprenait pourquoi, qu'est-ce qui lui était arrivé et tout. Mais elle a survécu. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbi, elle a survécu et tout. Et après, en fait, elle pouvait plus parler, tu vois. Et Zama, sa mère, elle l'a emmenée faire aller chez l'imam et tout pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé parce que tu ne changes pas comme ça d'un coup. Et en fait, il s'était avéré que, en gros, elle avait mangé du sol. Enfin, je ne sais pas si ça dit comme ça, mais. Moi, j'ai vu une vidéo, je ne l'ai pas mise, je l'ai reçue il y a une semaine. En direct, dans un quartier, un mec, il fait un saut de l'ange. Et ce mec, il avait rien. Du cinquième étage. Ah, Rabbi, il s'écrase au sol. Et elle, tu me dis, du quatrième, elle est pas morte, putain. Et du coup, on s'est aperçu qu'elle a mangé. Et puis, d'un seul coup. Voilà, d'un seul coup, elle s'est ingurgité du sol. Et sa mère, elle se demandait pourquoi et tout. Et il s'avérait que cette femme, t'as vu, elle avait un beau statut social et tout. Elle avait genre. Entre 25 et 30 ans, elle était ingénieure, du coup. Et en fait, cette femme, elle, dans ma ville, plein de gens, ils voulaient se marier avec elle, tu vois, plein de gars et tout. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait un gars, Zama, c'est après que ça s'est avéré, tu vois, mais il avait dit, tu veux pas te marier avec moi, tu vas regretter, tu vois. Après, Allahu alam, c'est lui et tout, mais il s'avérait qu'elle avait ingurgité du tchour et cette fille, elle était copine avec la cousine de ce gars, tu vois. Enfin bref, du coup, il s'avérait qu'elle avait ingurgité du tchour et tout, et en fait, du coup, elle a fait de la rééducation et tout. Et après, elle a pu reparler et tout. Elle a dit, elle a raconté genre à des soeurs du jamais, en gros, j'étais plus maître de moi-même, je me rappelle même pas ce qui s'est passé en gros. Ma mère, c'était. T'as vu, parce que juste avant, tu parlais des hommes qui faisaient du tchour aux femmes. Et ça existe vraiment. Genre, il y a vraiment des hommes. Alors, là, ils sont. En fait, c'est souvent des garçons qui sont. Ma mère, tu leur refuses le mariage, après, ils font du tchour. C'est comme les femmes, en fait. C'est par jalousie, par. Je suis en train de lire des commentaires. Moi, j'ai toujours mangé chez les gens. Wallah, l'adim, je n'ai jamais été. Dans cette optique où je crains, moi je mange chez les gens, je dis bismillah, je m'en cogne. Je mange chez les gens. Ramène-moi ton sro, je m'en bats les couilles. Wallah, en vrai, je parle. Moi, j'ai jamais été cette personne qui mange pas chez les gens, qui se méfie, qui, je mange, rien à foutre, moi. Rien à foutre. On dit bismillah, et puis. Parce que moi, je pars du principe où, c'est Dieu qui décide. Mais voilà, c'est ça. Mais après, Allahu alam, moi aussi, c'était la première histoire où j'entendais que Yama, une sœur, avait ingurgité du tchour, ou même... Allah, depuis que j'écoute tes radios, c'est là que j'entends de manger du tchour et tout, des trucs de fou. Ouais, bien sûr, mais il y en a qui... Mais il y en a, comment est-ce que ça arrive? On le voit, des frères qu'ils ont filmé, les gens qui rentraient, qui mettaient dans des trucs bizarres. Oh, comment on fait pour tuer les gens? Les gens mettent des barbituriques dans leur bouffe, ils mangent et ils... Ça, c'est pour les crimes, mais ils le font pour le sahur aussi. Après, je te dis franchement, voilà, moi, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas trop, c'est que moi, je suis pas confronté. Moi, je me dis, j'ai pas peur. J'ai pas peur, Wallah l'azim. Tu me dis, Bassem, elle, c'est une sorcière, elle a une tête de Gargamel, elle me pose une escalope milanaise halal avec de la sauce au cèpe, aux champignons. Wallah, même si elle a un strabisme, je la regarde, je dis bismillah, je mange, normal. Je lèche l'assiette, normal. Tu crois que c'est elle va venir, elle va me faire un... Genre,
J'en ai rien à foutre, modèle, moi. C'est vrai que les gens au strabisme, ils sont méchants bizarres. Ouais, en tout cas, faut faire attention à ça. Voilà, surtout, c'est une affaire. J'ai l'impression que le sahur, c'est une affaire de femme. Je sais pas pourquoi. Tu vois, je... Mais bon. C'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de frustré. Voilà, parce qu'il y a autant des hommes qui vont demander pour faire du sahur. Voilà, c'est juste qu'on en entend moins parler. C'est tout. Moi, je pense que c'est plus ça, voilà. Alors, il y en a qui disent que... Tiens, attends, on va voir. Ça peut même changer les comportements et c'est souvent les belles filles. Mais et c'est souvent... Bah tiens, celle que tu nous as dit. Poupie a dit Grenoble, les femmes qui viennent du bled bizarre. C'est souvent ça que ça arrive. Non, mais bon. Ouais, mais non, mais je suis pas un malade. Non, mais je réponds à la roue. Wallah, non, normal, moi. Normal. J'arrive à la paf, je mange chez elle, normal. Genre, la foot modèle, moi. Et toi, tu as des copines un peu bizarres comme ça? Ouais, alaykoum salam, frérot. Ouais, ça va, ça va. Ça va, tu vas bien? Tu peux parler un peu plus fort? Ouais, attends deux secondes. Ouais. C'est bon, t'y es? Dans deux secondes, ici. Dans deux secondes. Moi, je vais me mettre à genoux. Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Ouais, c'est un malcoum, tu m'entends? C'est un malcoum. Ouais, alors toi, la femme de ton oncle, a s'hôr ton père. Et ton père est devenu agressif, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Alors, il s'est passé quoi? Oula, c'est quoi ce que tu vois, là? C'est quoi cette voix, Starfallah? Vous avez entendu? T'es un genou, tu crains, toi, frère. Wallah. Vous avez entendu cette voix bizarre, là? On dirait le lézard Denver, le dinosaure, l'autre. Il nous a dit. Ouais, allez, vas-y. Rigole, vas-y. Vas-y. Le filtré, il donne de l'inspiration. Ouais, allez, vas-y. Bon, laisse-moi expliquer mon histoire. Donc. En fait, je t'explique, mon père il s'est marié, t'as vu? Et mon père, en fait, si tu veux, quand il s'est marié, c'était l'homme idéal, tu vois. Bosseur, beau gosse, tu vois ce que je veux dire, un bon mec, tu vois ce que je veux dire. Et t'as la femme de mon oncle qui était tellement jalouse de comment mon père il traitait sa femme, tu vois, parce qu'il la traitait super bien par rapport à ça. Arrive souvent, ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, elle a fait appel à une sœur, tu vois. Et si tu veux, à cette époque-là, mon père, il vivait au bled encore, tu vois. Il n'était pas encore arrivé en France. Et ça veut dire, là, mon père, où il vivait avec son frère, donc mon oncle, et un autre frère à lui, donc un autre oncle. En fait, c'est un fin, quoi, en fait, où les maisons sont collées, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'était facile de rentrer en contact, de faire ce que tu voulais, en fait. Et donc, la femme de mon oncle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a récupéré des ongles de la femme de mon père. Donc, c'est pas ma mère, hein, c'est son ex-femme, lors de son premier mariage. Des ongles et des cheveux de mon père. Et elle les a sourés. Et du jour au lendemain, mon père, il est devenu agressif envers sa femme. Mais quand je te dis agressif, truc de ouf. Genre, limite, il pouvait plus l'avoir en face de lui, tu vois. Ouais, il y en a, ils font du sroul comme ça, ou comme vous vous rappelez, la fille qui nous avait parlé que sa belle-mère, elle la sroulait avec des hérissons, elle est pas, le sroul de Sonic l'hérisson, la vie de ma mère, elle nous a dit, la meuf, j'avais une vie d'hérisson parce que on m'a fait le sroul de l'hérisson, je dis, comment ça, explique-toi, ben l'hérisson, il sort la nuit et il dort la journée, hein. Donc tu vas en chicha, tu vas en boîte, d'accord. Oh. Hein, les sidaïques, elles ont même inventé un sour. La vie de ma mère, pour se couvrir le sour de l'hérisson. Voilà. Je sors la nuit et je dors la journée. Putain, elle est belle. Hein. Ouais. Voilà, c'est Hollywood. Elles ont de l'inspi. À mort. Bon, bah, il s'est passé quoi alors? Vous avez su que c'était ça? Et du coup, donc de ce premier mariage, hein, j'ai eu des sœurs et des frères. Et donc, tu vois, les enfants se sont inquiétés du jour au lendemain. Ils ont vu leur notre père, tu vois, changer, devenir agressif et tout.
ils se sont posé des questions, ils se sont dit c'est chelou, et ils avaient remarqué qu'il y avait une hostilité entre la femme de mon oncle et donc l'ex-femme de mon père, leur mère, tu vois, ils ont remarqué qu'il y avait des trucs bizarres, il y avait des petites histoires, tu sais, des petites embrouilles entre frères, tu vois, entre femmes de frères. Tu vois, Giannini, renvoie-moi un message. Ouais, ouais. Et donc, ils ont commencé à chercher, à pousser les investigations et tout ça. Ils ont commencé à se demander pourquoi, c'était chelou. Le comportement avait changé comme ça, brusquement, du jour au lendemain. Et tac, ils ont commencé à soupçonner la femme de mon oncle, tu vois, d'avoir eu recours au sol et tout. Donc, du coup, tu sais, comme ils avaient des doutes, ils ont commencé à fouiller dans la maison, voir s'il n'y avait pas de trucs chelous et tout. Et si tu veux, en fait, la maison au bled que mon père avait avant, c'est un carré, mais il n'y a pas de toit. Tu vois, au milieu, c'est ouvert. Mmh. Et les portes des chambres, elles donnent sur l'extérieur et tout, tu vois. Ils ont commencé à fouiller et tout. Ils ont trouvé enfoui sous la terre, devant la porte de la chambre de mon père, dans du papier, des ongles et des cheveux. Les ongles de son ex-femme et des cheveux à lui, avec des écritures bizarres et tout. Et donc là, en fait, et depuis, ça fait scandale, truc de ouf, tu vois. Et ça crée même des embrouilles entre mon père et son frère, tu vois. Ils n'arrivent plus à se voir. Et pourtant, ils habitent à deux pas. Hein. Genre, tu sors de la maison, tu fais deux pas à leur porte. D'accord, putain, c'était chaud, hein. Et vous en étiez sûr que ça venait d'elle? Oui, oui, franchement. On peut pas être sûr à 100%, mais à 90%, et même la façon dont elle a réagi quand ça a pété, le scandale et tout, c'est... Il y a des signes qui ne trompent pas. Ouais. Bon. Bah, c'est très chaud. C'est très chaud, ouais. et puis voilà. Bref, mesdames et messieurs, demain, on revient, c'est vendredi, c'est Hami. On va préparer l'émission, voilà. On va préparer l'émission, on va la faire à la bien. On va préparer une vraie émission demain à la bien. Et tous les jeudis, maintenant, je prendrai la journée pour préparer les jeudis.